Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Ariel Roche. Bonsoir, Ngola Douala. Bonsoir. On se connecte, on partage d'abord. Bonsoir, Fantôme Station. Je suis fatigué. Je suis KO. C'est seulement parce que j'avais déjà annoncé le live là que je suis assise là. Je suis fatigué. Magie seulement. Je suis bien fatigué. Voilà. Bonsoir, Kaline. Oh, la vieillesse. Bonsoir, ma chérie. La vieillesse. Oh. Ah, maintenant, oui. La vieillesse, la vieillesse. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez, taguez les uns et les autres, parce que c'est un live qui est super important. On va parler de cette histoire ces gens qui commencent à nous mettre un peu les bâtons dans les roues par rapport à la convention. Donc, il faut vraiment qu'on en parle et il faut qu'on essaie de voir comment mobiliser différemment. Comment. Bonsoir, Olivier. Tiens, tu. Super, si tu as eu ton pain, Ariel Roche, si tu as eu ton pain, c'est bien.
Et aussi, on reçoit plein, je reçois plein de messages. Malheureusement, je ne peux pas vous les montrer parce que, vous savez, Douala et Yaoundé, ce n'est pas pareil. Hein. Autant on a envoyé les pains aux gens de Douala, ils ont été très réactifs au niveau de la prison de New Bern. On a vu des photos. Mais à Yaoundé, c'est le pays organisateur. Yaoundé, c'est le continent. Même tout le continent, c'est Yaoundé. Yaoundé, en Ouest, c'est le continent. Donc, bon, merci Eric Kouemo. Donc, à Yaoundé, ils ne peuvent pas se permettre de faire des photos et de mettre sur les réseaux sociaux et même d'envoyer aux gens comme à Douala. À Douala, je pense qu'il y a un peu une certaine démocratie qu'il n'y a pas à Yaoundé. Vous savez, comme je vous disais, à Yaoundé, c'est le pays. C'est même le continent, même c'est là-bas le siège des institutions, c'est là-bas le siège de Makana, Madjona ou ceci. Donc, eux, malheureusement, ne peuvent pas se permettre. Oui, ils ont peur. Ils ont peur. Donc, j'ai reçu plein de messages, plein de messages dans mon messenger. Vraiment, ils sont très, très contents. Beaucoup de merci. Merci à toute la team villageoise du coin. Vraiment, merci pour nos pains. Ça leur va droit au cœur. Donc, franchement, c'est déjà pour vous dire que les pains sont bien arrivés. Ça a été un parcours de combattant pour que ces pains puissent entrer dans la prison de Konen. C'était comme si on faisait entrer le toto, alors que ce n'est que le tissu. Mais c'était difficile, il a failli qu'on passe même des coups de fil pour qu'on puisse faire entrer ces pailles. C'est incroyable, je vous assure. Donc, je peux vous dire que pour que ces pailles arrivent là-bas, ça n'a pas été facile. Donc, mais néanmoins, c'est bien arrivé, ils ont bien réceptionné. Tous les 36 prisonniers ont eu leur pain. 36 pains sont allés comme chose promise, chose due. Malheureusement, avec le temps qui nous est imparti, qui est très, 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 très court, on a du mal à mobiliser pour les gars du Nord. Et donc, aujourd'hui, je vais profiter également pour qu'on essaie de voir comment trouver des solutions pour les gars du Nord. Parce qu'eux, ils vont partir au moins 3 jours avant le 9 pour pouvoir être là-bas, pour pouvoir arriver là-bas. Ça me dit qu'ils partent au moins 3 jours. C'est un voyage, ça dépasse même les voyages extrêmes. Normalement, on doit mettre les caméras derrière eux pour les filmer durant leur périple. C'est un voyage difficile et périlleux. Donc, tout au long de ce live, on va essayer de voir ensemble comment on peut les aider différemment. C'est-à-dire que comme le temps est très, très court maintenant pour qu'on puisse les envoyer les pains, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour les trouver les casse-croûtes quand ils vont arriver à Yaoundé après 3 jours de voyage. Donc, on va essayer de s'organiser de cette façon-là. Voilà, l'essentiel, c'est qu'ils puissent arriver. J'ai quand même réussi à envoyer, je pense, 2 pains via une combattante de l'Angleterre qui m'a sollicité parce qu'elle était en contact avec les gens du Nord, en l'occurrence, ma Follow, je ne vais pas cacher son nom puisque vous la connaissez toutes et qu'elle ne viendra pas démentir ce que je dis. Bonsoir Paco Rabanne, bonsoir Raymond. Donc, elle m'a dit qu'il y avait 2 personnes qui étaient dans le besoin, j'ai pu lui envoyer 2 pains. Mais voilà, donc, toujours est-il que c'est pas suffisant. Donc, je vous laisse partager, je vous laisse taguer les uns et les autres pour qu'on puisse être nombreux. Et pendant ce temps, je vais regarder la mamie au feu et je vous reviens. Donc, pendant ce temps, je vous laisse partager, taguer ceux qui ne sont pas là, les Victorines, taguer tout le monde. On va vraiment essayer de voir comment nous mobiliser, comment s'organiser différemment parce que vous savez, les gens de Papour viennent de nous dire là que le palais de congrès qu'on a loué pour 10h samedi, maintenant, ils vont nous donner la salle à partir de 17h. Donc, c'est toujours une façon de démobiliser, c'est toujours une façon de mettre les bâtons dans les roues. On en parle tout à l'heure, dans un instant. Mon ami Sardina, Joël Drémond, comment tu vas? La Sardina vie s'invite dans le live. On va pas te chasser, on va te laisser là. Que tu restes sage, que tu écoutes, que tu ne fais pas trop les bivoums. Parce que si tu fais beaucoup les bivoums, on va être obligé de te bloquer et de te faire partie. Donc reste vraiment sage.
tu regardais seulement, voilà. Et tu contrôles ce que tu écris. Bonsoir Lisa Roca, bonsoir Démon Démon. Voilà, on partage, on repartage le live. Moi aussi, je vais essayer de... Pardon. De taguer... Je vais essayer de taguer aussi. C'est pas toujours évident. Mais c'est comme ça. Si on veut être nombreux, il faut taguer. Il faut aller chercher les... Et on sait ici que je ne sors pas avec les sardinats. Donc... Même si tu es mon dragueur Sardina, je ne sors pas avec les Sardina, je ne sors pas avec les Tontina, je ne sors pas avec les gens qui sont sensibles au changement au 237. Donc, je ne peux pas sortir avec un Sardina. Voilà. Donc, et ça, c'est dommage, je ne sors pas avec les Sardina. Pour l'instant, il faut que mes idées et les idées de mon show regardent dans la même direction. Bonsoir, Joël, Jacques. Jean. Bonsoir à toi. Donc, il faut que nos idées regardent dans la même direction. Si ça ne regarde pas dans la même direction, je ne peux pas sortir avec toi. Donc, tu vois derrière que toi, tu regardes à gauche, moi, je regarde à droite. Donc, on ne peut pas regarder. On n'est pas fait pour être ensemble, Joël. Voilà. Bonsoir, Néné Diakité. Donc, on va commencer par un sujet qui est très simple, qui est très... on va dire, je ne sais pas si on va dire drôle, on va dire à cette polémique qu'il y a sur la toile par rapport au fait que notre première dame a donné de l'alcool à sa petite fille. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et je vois beaucoup de personnes qui disent que, oh, vraiment, vous en faites de trop, vous exagérez, on a toujours fait ça, on a toujours donné de l'alcool à nos enfants, on a toujours donné un peu de bière à nos enfants. J'ai même vu quelqu'un qui a même poussé la bêtise loin en disant que lui, il donne même le whisky. Il donne même du whisky à ses enfants. Voilà, je crois avoir vu un commentaire vraiment dans ce sens-là. Ou quelqu'un disait, oui, moi, je donne même, vous exagérez, vous voulez dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Vraiment, vous cherchez des polémiques partout. C'est avec ça que vous voulez changer le Cameroun. Et je vois d'aucuns dire, même moi, je vois tout le monde, des gens, pas tout le monde. Pendant que nous, on trouve que c'est choquant, je vois beaucoup de personnes qui disent que c'est pas choquant, on a l'habitude de le faire. Pourquoi est-ce qu'on doit stigmatiser notre première dame et tout et tout et tout? Il n'y a rien, c'est pas grave du tout ce qu'elle a fait. Voilà, je tiens à rappeler aux uns et aux autres qu'on parle là d'une première dame d'un pays. C'est vrai que nous, sur le continent, on a encore du mal avec certaines choses. On a encore du mal avec l'image. On a encore du mal avec le reflet, c'est-à-dire que l'image d'une personne, on a encore du mal avec. On parle d'une première dame du Cameroun. On parle d'une dame qui est suivie, d'une dame qui rencontre des autres premières dames des autres pays. Donc, on parle là vraiment de quelque chose de très, 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 très différent. On ne parle pas d'un Camerounais lambda. On ne parle pas de moi. On ne parle pas de vous. Encore, même si on parlait de moi, même moi qui suis devant vous aujourd'hui, il y a des choses que je peux me permettre de faire parce que vous allez me juger, vous allez me critiquer. Vous allez me dire, pourquoi tu fais ça? Oh, tu n'as pas le droit de faire ça. Voilà. Donc là, on vous parle de l'image d'une première dame. On ne vous parle pas de bonsoir Yolande Samira. On ne vous parle pas d'une Camerounaise lambda. Et ce qui est choquant, ce qui m'amuse, c'est que je vois que les Camerounais n'ont pas compris que ce soit le président de la République, que ce soit les ministres, que toutes ces personnes qui sont garants de nos institutions ont une image à faire respecter. On a vu dernièrement un sous-préfet qui est en train de se branler dans une vidéo. On a vu des Camerounais supporter cela et même dire que on a cru lui faire du chantage et tout. On a vu que c'était resté, il est resté, il n'a pas été puni, il n'a pas reçu de mise en garde, rien du tout n'a pas été sanctionné, ce qui n'est pas du tout normal. Donc, et aujourd'hui, on voit une première dame qui est en train de donner, de partager son verre de champagne, sa coupe de champagne avec sa petite fille. Et même là, on nous trouve des excuses.
Les gens arrivent à nous trouver des excuses. J'ai une personne, beaucoup de gens disent oui, nous mordons ça à nos enfants. Ok, d'accord. Moi, quand j'ai accouché, comme je vous dis toujours, j'ai accouché très tôt à 16 ans. Et je vais vous raconter ça pour vous faire comprendre qu'il y a des choses, il y a des bêtises qu'on a fait parce qu'on était dans l'ignorance. Il y a des actes qu'on pose parce qu'on ne connaît pas beaucoup de choses. Et on les pose parce que maman a dit que c'est comme ça qu'on fait, parce que l'entourage dit que c'est comme ça, parce que le voisin a dit que c'est comme ça, parce que la grand-mère a dit que c'est comme ça. Pourtant, c'est vraiment des choses qui n'ont ni queue ni tête. Alors, quand j'ai accouché, je n'avais pas de montée de lait. Et on a dit à maman, donne-lui la Beaufort. Fais-lui voir la Beaufort. La Beaufort va lui faire avoir la montée de lait. Et c'est ce qui a été fait. Donc, ma maman m'a donné, je pense, un ou deux petits verres. On a acheté une petite bouteille de Beaufort. On m'a fait boire. J'avais 16 ans. Voilà. Et j'ai bu la Beaufort. C'est vrai que je ne buvais même pas encore l'alcool à l'époque. Hein, donc, j'ai quand même bu la Beaufort parce qu'on m'a dit qu'il faut boire ça pour que le lait, pour avoir une montée de lait. Ça, je l'ai fait. Je ne l'ai fait par ignorance. Je l'ai fait parce que je ne savais pas. Donc, j'ai bu cette Beaufort-là. 10 ans après, j'accouche ici en Europe. Il n'y a pas maman, il n'y a pas mes tantes, il n'y a personne. J'accouche encore et j'ai ce même problème de montée de lait à l'hôpital. Les médecins ne m'ont pas dit, Madame Noumi, prenez une Beaufort, prenez une Guinness, ou bien prenez un Tango, ou bien prenez un Monaco. Non, c'est pas ce qu'on m'a demandé. On ne m'a en aucun cas demandé de boire la Beaufort, de boire la musique, ou bien de boire la Golhap pour faire monter, pour la montée de lait. Jamais, je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas du tout entendu cela. C'est pour vous dire qu'il y a des choses qu'on a eu à faire ou bien qu'on continue à faire parce qu'on a entendu quelqu'un faire ou bien parce que les gens racontent des histoires et puis nous, on se met à les pratiquer comme ça. Deuxième chose, quand j'accouche, bonsoir à ceux qui viennent de se connecter. Je vais vous inviter, vous qui venez d'arriver, à partager le live, voilà, partager dans tous les petits groupes, partager partout sur WhatsApp, sur Messenger. On a besoin d'être nombreux parce que je garde le sujet le plus palpitant, le plus important pour le milieu du live quand on sera plus nombreux. Bonsoir Motamosi, bonsoir Martin Jor, bonsoir Jeanne Wekam, bonsoir Julienne. Donc, voilà, je vous ai dit, j'ai accouché, je ne connaissais pas trop beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que j'ignorais. Alors, toujours dans les commentaires du quartier, écoutez-moi bien, je vous raconte là. Je ne peux pas, j'aime parfois prendre les exemples sur ma propre vie parce qu'en fait, ma vie, il n'y a que moi qui puisse la raconter. Bonsoir, Yoyo Ambiana. Yoyo Ambiana, je savais que c'est un genre de questions comme ça que tu allais me poser. Tu as pris la Beaufort, est-ce que tu as eu le lait? Si tu prends la Beaufort le même jour même que tu as accouché, c'est impossible que tu aies le lait. La montée de lait, ça vient au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que c'est des choses, il y a des choses qu'on fait parce que c'est psychologique. Bonsoir, Florentonia, bonsoir, Sylvia, bonsoir, ma belle. Donc, il y a des choses qu'on fait. J'ai eu ma montée de lait, oui, ça c'est sûr, mais c'est pas parce que j'ai eu la Beaufort à la. J'ai eu ma montée de lait peut-être deux jours après. Mais je vais donc continuer ce que j'ai raconté parce que tu m'as interrompu, Yoyo Ambiana, et n'oublie pas de taguer ta pote. Donc, tu as bu, donc Jean-Louis, comme tu as bu la bière sans, la bière sans alcool pendant 9 mois. Pendant 9 mois, tu veux la bière pour avoir la montée de lait. Mais ce n'est pas ça, Yoyo Ambiana. Le problème est que c'est pas médical ce qu'on raconte là. Nous tous qui accouchons, moi j'ai accouché ici, j'ai accouché mes trois autres enfants ici. J'ai toujours eu des difficultés de montée de lait, mais je n'ai pas bu de bière. Je suis désolée. Je n'ai pas bu de Beaufort, je n'ai pas bu de Guinness, je n'ai rien bu et j'ai eu ma montée de lait. Voilà. En fait, le lait, c'est soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Il faut que les gens comprennent que c'est soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. On ne va pas parce que tu bois beaucoup de bière que tu vas avoir le lait. Il y a des gens qui ont beaucoup. Bonsoir, Augustine. Il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de lait. Et il y a des gens qui ont du mal à avoir le lait. Mais tu peux avoir aussi une alimentation qui peut te permettre, en buvant peut-être des bouillons, en buvant des choses liquides, qui peuvent faciliter la montée de lait. Ce n'est pas seulement en buvant l'alcool. Voilà, elle dit qu'elle a bu une bière sans alcool. Donc, ça veut dire que.
Effectivement, elle pourrait aussi boire du jus, elle pourrait boire toute autre chose, et elle aurait bu peut-être beaucoup de liquide pour stimuler. Mais c'est pas que, c'est pas. Moi, je n'ai pas vu quelque part où c'est prouvé scientifiquement. C'était prouvé scientifiquement qu'en buvant beaucoup de bière quand on accouche, ça facilite la montée de lait. On nous aurait aussi conseillé ça ici en Europe, parce que, mais ici en Europe, là où nous sommes, on a des difficultés. Voilà. C'était le premier point, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, quand j'accouche également, c'est que, comme je vous avais dit, j'ai goûté, j'ai conçu. Donc, le papa de l'enfant, il était de son côté, moi, j'étais de mon côté. Et toujours les gens disent du quartier, « Oh, Nadine, tu sais, l'affaire là, quand tu accouches comme ça, il faut qu'on remette ton truc en place. » Tout le monde ne fait que me dire qu'il faut qu'on remette mon truc en place. J'ai l'impression dans ma tête que peut-être que mon truc est sorti. Parce que tout le monde ne fait que te dire que... on doit remettre ton truc en place. Je dis, mais attends, on va remettre le truc en place comment? Non, les gens ne font qu'insister. Bonsoir Michel, on ne fait qu'insister. Non, il faut qu'on remette ton truc en place et tout et tout et tout. Moi, voici 16 ans, toute naïve. Je viens d'accoucher et tout et tout et tout. Le problème de l'enfant et moi, on est distancé, on ne se parle même pas. Vous savez, c'est une grossesse. Voilà. Bref, me voici tout stressé dans ma tête. Il faut à tout prix que je cherche le gars pour qu'il puisse remettre mon truc en place. Parce qu'on dit que quand tu accouches, ton truc sort. Donc, il faut qu'on le remette en place. J'ai dit, mais attends, mais c'est quoi cette histoire? Mais voici un truc de chercher dans le père de mon enfant partout, partout. Quand j'ai eu mon retour de couche et tout, il faut que je le cherche. Et les gens du quartier, lorsque je parle au quartier, même mes copines me demandent, oh non, tu as déjà mis ton... Bonsoir Sankara, bonsoir mon grand. Tu as déjà eu le truc là pour remettre ton truc en place. J'ai dit, mais remettre quel truc en place? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui pend entre mes jambes. Il y a rien qui pend entre mes jambes. Mais on me dit que non, il faut aller revoir ton gars pour qu'il te remette le truc en place. Ce qui est un truc complètement con. Néanmoins, j'étais petite, je ne connaissais rien. Je cherche quand même le gars, je m'en vais à Louan là-bas, en Guayaquil, à la cité universitaire, je m'en vais le voir pour qu'il me remette le truc en place. On a des rapports. Et à la fin de ces rapports, il me dit, mais tu sais, il me dit, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu le mot, tu es une femme frigide. J'avais peut-être, on va dire après mon accouchement, peut-être 17 ans. Il me dit, tu es frigide parce que je n'avais aucune envie, je n'avais aucune sensation, je n'avais en fait rien. Je partais juste pour qu'on me remette mon truc en place parce que déjà, on dit que quand tu finis quand tu accouches, il faut aller niasse pour qu'on te remette le truc en place. Ça, c'est les histoires du sous-quartier. Ça, c'est vraiment les histoires du sous-quartier. Et on grandit avec, on reste avec. Et c'est comme ça que vous voyez les femmes au Cameroun, elles viennent d'accoucher, elles partent pour qu'on remette le truc en place. Et dans 2 mois après, vous voyez, elle a encore l'enfant en main, elle est encore enceinte. Parce qu'il n'y a même pas eu le retour des couches, parce qu'on lui dit que non, il faut encore aller mbinda comme ça. Comme on dit que le truc est sorti, va aller remettre le truc là en place. Quel truc en place? Quel truc? J'ai encore accouché ici en Europe, comme je vous ai dit, 10 ans après, j'ai accouché. Oui, le père de mon enfant était un étudiant. Il était un étudiant. Donc, maman Sylvia, je dis que je suis allée en Guayaquil. Pourquoi me remettre le truc en place? Vous ne comprenez pas. Je vous raconte les choses parce que, en fait, les gens sont en train de soutenir la thèse comme quoi, bonsoir Bijou, que nous, on a toujours donné la bière à nos enfants, on a toujours fait ceci. Bonsoir Russe Noir, on a toujours fait ceci, c'est normal, on a toujours eu à faire ça. Qui n'a pas encore eu à faire ça? On l'a fait dans l'ignorance. On l'a fait parce qu'on ne connaissait pas. On l'a fait, bonsoir Michel Tchatchon, on l'a fait parce que vraiment, on ne connaissait rien, parce qu'on écoutait ce que les grandes personnes nous disaient. Mais aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire. J'ai accouché de mon deuxième enfant ici en Europe en 2005. Alors, vous connaissez comment l'Europe est compliquée. Déjà, moi, j'ai eu l'Europe, mon arrivée en Europe était très, très, très bizarre parce que l'oncle qui devait me récupérer à Charles de Gaulle n'est jamais venu. Je me suis retrouvé dans une maison avec sept mecs, à dormir dans un studio, on était là, 7 dedans. Bon, bref, j'accouche donc de ma fille. Je porte une grossesse, j'accouche donc de ma fille. Le papa, il est à gauche, on me suit à droite. Vous pensez que quand j'étais dans les hôtels 115, que vous appelez, on était là que le SAMU 115, vous pensez que j'avais l'envie d'aller me faire mettre le truc en place? On te dit que quand tu accouches ici, tu fais la rééducation du Pyrénées. Rééducation du Pyrénées. On te dit pas qu'il faut que le Mbangala entre dans ton zout pour mettre quelque chose en place. On ne te dit pas ça. Mais nous, on nous a dit au pays que non, pour faire monter le lait, il faut boire la bière. Pour quand tu finis d'accoucher, il faut que le dos te niasse, pour que le truc se mette en place. Tout. Des scientifiques de sous-quartier. Voilà ce dans quoi nous avons grandi. Voilà ce dans quoi nous avons grandi. Et aujourd'hui, vous pensez que moi,
quand ma fille a eu accouché, c'est parce que j'ai donné à ma fille demandé à ma fille de boire la bière, ou bien j'ai demandé à ma fille d'aller chercher son gars pour qu'il mette le truc en place. Ça, ce sont des choses du continent qu'on a eu l'habitude de faire, qu'on a eu l'habitude d'appliquer parce que nos parents, parce qu'on entend les voisins, parce que même ce qu'on vous dit là que oh, dès que tu accouches, on doit te taper l'eau. J'ai entendu les femmes au quartier, les femmes pouvaient même sortir du WC sans caleçon, tellement on les tape, on fait l'eau bruit, l'eau bruyante, on les tape ça. Oh, poup, oh, poup, oh, poup, oh, poup, oh, poup. Il faut faire sortir tout le sang. Trois enfants ici, on ne m'a jamais tapé l'eau. Bonsoir, Tessie, on ne m'a jamais tapé l'eau. Bonsoir, Moutema de Donald, on ne m'a jamais tapé l'eau. Mais c'est parce que j'ai pris du poids que j'ai le ventre. Je n'ai jamais eu le ventre. C'est autant de choses. Mais on est là, on te verse de l'eau chaude partout. Oui, il faut se masser le ventre. Oui, il faut boire des bouillons chauds. Il faut boire des bouillons chauds quand on vient d'accoucher pour avoir une montée de lait. Oui, il faut. Voilà. Mais en aucun cas, on ne dit aux gens qu'il faut mettre la mamie d'eau bouillante au feu et commencer à taper ça et aller avec nous dans la salle de bain pour nous taper ça. Ce n'est écrit nulle part. Nous qui avons changé ça en Europe, on ne pratique pas ça. En quoi sommes-nous différentes? En quoi? Donc, c'est autant de choses, autant de choses qu'on a héritées de nos parents ou de nos grands-parents qui sont complètement fausses. Je vous raconte ça pour revenir donc à l'histoire de notre première dame qui... que nous avons tous vu en train de donner, de partager son verre de champagne avec sa petite fille. Et que beaucoup de gens nous ont dit que non, on a eu à faire ça. Et je vous l'accorde, oui, on a eu à le faire. Mais est-ce que c'était normal? Est-ce que c'était normal de donner de l'alcool à l'enfant? Voilà les questions qu'on doit se poser aujourd'hui, que nous sommes émancipés, c'est une nouvelle génération, nous voyons les choses différemment. Est-ce que donc c'est normal que nous donnions de la bière à nos enfants, mais que nous partageons notre verre de whisky avec nos enfants? Est-ce que c'est normal? Voilà. C'est d'abord par là qu'il faut commencer. Si vous trouvez que c'est normal que quand tu bois ta bière, que tu partages ça avec ton enfant, voilà, dites-nous que c'est normal parce qu'il faut savoir. Vous avez parfois, vous voyez des enfants. J'ai vu quelque chose qui est assez incroyable ici en Europe. Et c'est pour ça que je dis, parfois, nos enfants répètent à peu près nos actes. Et parfois, nos enfants font et sont parfois à notre image. Ici, où nous vivons, vous entendez parfois, on dit que oh, l'enfant là... bijoux, quand je vois les hampes, est-ce que le shampoing, même, à supposer que c'est le shampoing, je suis d'accord avec vous, c'est le shampoing. Le shampoing, vous voyez que l'enfant là, c'est un bébé, non? Est-ce que c'est le shampoing, l'enfant là, il va boire ça dans le verre, là? Les gens, on met dans le verre, il y a les petits gobelets des enfants qu'on met, leur boisson dedans, on leur donne. Donc la coupe là, c'est le verre qu'un enfant boit dedans. De vous à nous. Donc, même si c'était le shampoing, donc c'est dans un truc en verre là qu'on devait mettre pour l'enfant là dedans. Non, non, du tout. Maintenant, je dis, vous voyez ici, les enfants, vous voyez parfois les enfants disent qu'ils répondent recopient ce que nous faisons. Tu vois, les mounas ici, ils sont là, ils dac, ils tirent ça fort, ils sont là, ils fument parce que ici, la cigarette, je pense, quand je dis, on ne fume pas au Cameroun, ici, on fume. Elle dit, fumer, c'est comme la nourriture. Et vous voyez, les enfants de 4e, de 5e sont déjà en train de tirer la cigarette ici. Et vous arrivez chez eux, même avec les demandes des parents, ça se fait, ça se pratique. Moi, ma fille aînée, bonsoir, Port de l'Ouest. Non, puisqu'il va nous trouver, que l'enfant là, que c'était pas le champagne, non. Donc, j'ai dit, donc, comme c'était le champomis, il fallait mettre dans un gobelet adapté au champomis parce qu'on ne peut pas servir le champomis à un enfant, à un bébé, dans une coupe de champagne. Je suis désolé. Bon, bref. Alors, je n'ai moi jamais fumé. J'ai essayé en décembre, quand j'étais en classe de seconde première, j'ai vu les gens fumer. Mes camarades fumaient, on avait organisé une soirée, quoi. Moi aussi, je suis parti. Tout le monde fumait, moi aussi, j'ai pris une cigarette, j'ai aussi tiré. J'ai toussé jusqu'à ma gorge, elle est sortie. Je n'ai jamais bu l'alcool devant mes parents. La seule fois où je suis entré chez nous, ivre, j'avais bu 3 Guinness. Ma mère, mon cousin qui est venu m'ouvrir le portail, n'est pas venu m'ouvrir le portail. Donc, c'est ma mère qui s'est réveillée, qui est venue m'ouvrir le portail. Et comme ma mère ne m'avait jamais vu boire, ma mère ne m'avait jamais vu
lever la bouteille. D'abord, que chez nous, vous savez que c'est interdit, on ne peut pas boire devant les parents. Et je ne peux pas faire devant les parents, c'est-à-dire fumer, boire devant les parents, c'est complètement interdit. Donc, moi-même, ici où je suis, quand je vois les moulins de mes collègues en train de dac devant eux, je vois là, je les vois là, ils sont en train de. Ils sont en train de. C'est des choses qui sont contraires à nos traditions. Bon, bref. Je regarde, j'observe. Donc, ma fille, donc je suis sortie, j'ai bu. Je suis rentré et mon cousin qui devait m'ouvrir la porte ne m'a pas ouvert la porte. Donc, c'est ma mère qui est venue m'ouvrir la porte. Donc, ma mère m'ouvre la porte et peut-être 1 ou 2 heures du matin. Je vous raconte encore, ça c'est l'histoire du Cameroun, j'étais à Mimboman. Elle me dit, Noumi, tu es rentré à quelle heure comme ça? Je ne peux pas répondre. Parce que si je parle, ma mère va sentir l'odeur de l'alcool dans ma bouche. Donc, tout ce que ma mère me parle, je ne réponds pas. Noumi, tu sors d'où? C'est à quelle heure comme ça que tu rentres? C'est à quelle heure comme ça que tu rentres à la maison? Oh, elle commence à m'insulter. Oh, on m'a chaud. Vraiment, c'est cela. Oui, tu es une bordelle. Regarde à quelle tu rentres à la maison. Tu n'as pas honte. Patati patata. Je ne peux pas répondre. Donc, tout ce que ma mère est en train de me faire comme reproche là, ma bouche est seulement. Je veux seulement qu'elle me laisse entrer, je vais même me coucher. Tout ce qu'on me parle, parce que si j'ouvre ma bouche pour répondre, elle va sentir l'odeur de l'alcool. Ah. Donc, me voici donc, ma mère parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Vous, savez, maman du Cameroun, elle ne parle pas, elle parle, elle ne s'arrête jamais, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Je veux dire que ça ne finit pas. Elle ne veut que parler, oh, vraiment. Donc, elle a même réveillé les enfants, elle a même réveillé ma petite Aïcha, qui avait peut-être 4 ou 5 ans comme ça. Je dis, c'est quelque chose qui est très, 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 très frais dans ma tête. Donc, ma fille se réveille, mon petit cousin qui vient m'ouvrir, tout le monde, la maison s'est un peu réveillée. Donc, elle ne veut que parler, elle parle. Elle veut que parler, elle ne veut que m'insulter. Donc, à un moment donné, je lui dis que, ouais, on sort. Laisse-moi passer, elle va aller me coucher. Elle sent dans l'odeur. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert seulement ma bouche pour dire que, ouais, on sort, parce que j'appelle ma mère grande soeur. Laisse-moi passer, je m'en vais me coucher. Elle a senti l'odeur de l'alcool. À mon nom, ou non, Zougui, tu as bu l'alcool, bim! Elle m'a donné. Quand ma mère a encore voulu envoyer la main une troisième fois, j'ai bloqué. Ça, c'est les effets de la colère. J'ai bloqué sa main. Donc, la troisième chiffre qu'elle m'a donné, j'ai bloqué la main, j'ai arrêté sa main. J'ai dit que ça suffit comme ça. Je vous dis que ça, c'est parce que j'avais bu. Parce que en temps normal, je n'aurais plus même bloqué la main de ma mère. J'ai bloqué sa main. Je lui dis que c'est la dernière fois que tu lèves la main sur moi, devant ma fille. C'est là où ma mère ne m'a plus jamais. Oui, mais je l'appelle un sort. Ma mère ne m'a plus jamais levé la main dessus. J'ai dit que ça, c'est grâce à l'alcool. J'ai dit que pim, pim. La première fois, je suis bouillie. Ne me plus jamais devant ma fille. Ma fille avait peut-être 5 ou 6 ans. Ça s'est arrêté là. Elle n'a plus jamais. Oui, elle n'a plus jamais levé la main sur moi. Mais, non. J'ai dit que j'ai arrêté sa main. Hein. Mais comme j'ai arrêté sa main comme ça là. Tout le quartier était au courant que j'ai tapé sur elle. Hein, que vraiment, un peu que dit mes oncles, tout le monde, elle appelait tout le monde. Je dis, j'ai bloqué. Comme ça, là, elle appelait tout le monde, mes cousins qui sont au Canada, tout le monde, vraiment. Nous, tu m'enda, je vous ai dit, nous, nous, je vous ai dit, nous, nous, là, vraiment. Ce que Noumi fait dans la maison, si vraiment son niveau de bordelerie a dépassé, même pour tout le monde. Oh, quand je rentre du travail, comme elle travaille à la sonnelle. Oh, quand je rentre à la sonnelle, j'ai vu une femme métisse. Parce que toi, tu es seulement brune. Mais tu penses que tu es plus belle que tout le monde. J'ai vu une femme métisse qui m'a donné le babolo. Je dis, mais tu me racontes ça, ça me sert à quoi? Si elle était brune, métisse et qu'elle m'a donné le babolo, c'est son problème. Est-ce que, oui, mais comme tu es, parce que toi, tu n'écoutes pas. Oh, tu es coco, oh, ceci, cela. Oh, l'homme avec qui tu sais, il ne peut pas t'épouser. Oh, il te manque. Maman m'a raconté toute ma vie. Tous mes oncles, même avec qui je ne parlais pas, tout le monde me cherchait pour me demander que j'ai tapé sur la mer. J'ai dit que je n'ai jamais tapé sur la mer. Je suis rentré la mer, me donnait encore une bonne correction devant mon mouna, j'ai bloqué la main. Mais je vous dis, ça c'est vraiment l'avantage que j'avais Jean. Parce que si je n'avais pas Jean Le Guinness là, je ne peux pas bloquer la main de ma mère. Bon, bref, c'est passé. Et depuis ce jour, ma mère n'a plus jamais levé la main. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire devant les enfants. Il y a des choses qu'on ne peut même pas encourager. Quand je vois les gens aujourd'hui sont en train d'encourager que oui, on a tous donné de l'alcool à nos enfants. On a tous donné de l'alcool à nos enfants parce qu'on ne connaissait pas. Parce que quand nos parents le faisaient, c'était dans l'ignorance. Aujourd'hui, on connaît tous l'impact de l'alcool dans la vie, même des grandes personnes. On connaît tous ce que c'est que l'alcool.
Il y a des gens qui sont tellement dépendants de l'alcool et que l'alcool a complètement même détruit leur vie. On sait ce que c'est que l'alcool aujourd'hui et on sait que c'est quelque chose qui est dangereux, pour, non seulement pour la santé, mais même pour ceux qui sont autour de toi. Donc, on ne peut pas se permettre de prendre ça et de valoriser quelqu'un qui boit. On ne peut pas se permettre de valoriser une maman qui donne de l'alcool à son enfant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Et il y a le dernier point qu'on ne peut pas oublier, c'est une première dame. Elle reflète l'image de tout un pays. Elle reflète l'image de 35 millions de Camerounais. Quand le président est venu ici et qu'il est tombé, il montait les escaliers, Macron et tout. On a parlé de lui, on a pas dit que c'est le président du Cameroun. Donc l'image qu'elle véhicule là, c'est la première dame du Cameroun. Il y a quand même des images qui ne devraient même pas se retrouver sur les réseaux sociaux, qui ne devraient même pas se retrouver sur la toile. La première dame en train de courir pieds nus dans le jardin, on va dire que bon, bref, parfois même je marche pieds nus, on dit que mes pieds qui puent, voilà. Sans quand même savoir, on peut dire que ça c'est quelque chose de naturel. Oui, parfois les chaussures nous font tellement mal aux pieds qu'on va être à l'aise. Là, je ne trouve même pas ça. Je trouve même pas ça dérangeant, mais il y a un service de protocole qui veut que, quand on occupe un certain rang, qu'on a une certaine tenue. Voilà. Il y a des gestes qu'on ne peut pas se permettre de faire. Ça, c'est ce qu'on appelle le service du protocole. C'est-à-dire qu'il y a un rang dans la société, que quand on occupe ce rang-là, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire. Mais apparemment, sur le continent, quand on s'appelle première dame, on peut tout faire. On peut tout faire. Vous avez déjà vu l'enfant de qui on cache les enfants des gens. Vous avez vu l'enfant de quel président en train de dac, de tirer le truc en plein jour, filmer tout ça. Est-ce que vous voyez ça? On cache. Parce que ce sont des choses qui ne font pas joli. Ça ne fait pas joli. Même quand le fils de Nicolas Sarkozy ici, on avait aussi vu en train de faire les histoires de Nkoula. Ça a été relayé partout. C'était une honte pour sa famille. Il faut qu'on apprenne à se dire les vérités sur le continent. Il faut qu'on apprenne que si on veut changer un pays, c'est avec la vérité. C'est pas avec un mensonge. C'est pas en cafouant les choses. C'est pas parce qu'on dit que on ne veut pas qu'un X ou bien un Y soit président qu'on va accepter même quelque chose qui est nocif pour l'image d'un pays. On va faire semblant dessus. On va faire genre non, ce n'est pas grave. Oh, vous aussi, vous êtes exagéré. Oh, c'est tout parce que vous voulez mettre quelqu'un au pouvoir. Que non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si dans un pays, on accepte tout. Ça devient un dépotoir, ça devient une poubelle. Oui. Ça devient une poubelle, c'est-à-dire que c'est un foutu total. Entre les préfets qui sortent leurs zizi partout, entre les policiers qui dégainent partout, entre la première dame qui est en train de montrer le bon exemple. De toute façon, quand on voit aujourd'hui l'attitude de Brent Chou, il y a des questions à se poser. Mais voilà, on ne saurait se permettre d'encourager cela. Je suis désolé, on ne peut pas encourager cela. Que nos parents aient eu l'habitude de le faire ou pas, ce sont des actes qu'on doit pas, nous, on ne doit pas reproduire. On ne doit pas reproduire ça. Voilà. Donc, vraiment, il faut que quand on est dans un processus de changement, il faut qu'on y aille à fond. Il ne faut pas qu'on soit en train de jouer, de faire joli, il faut qu'on soit en train de faire dans le cafouillage. Voilà. C'était important de parler de ça parce que c'est un sujet où les gens, j'ai l'impression que les gens perdent un peu le nord quand il s'agit de certaines choses. Le deuxième petit sujet, feu d'hiver, en attendant qu'on soit un peu plus nombreux, et je vous invite encore, vous aussi qui êtes là, à partager le live dans les différents groupes et à taguer les uns et les autres. Le deuxième petit sujet, c'est Mani Bella et sa chanson Dagobert. J'ai fait plusieurs posts. Et je pense que vous tous avez vu ce clip de cette truc de Mani Bella où elle parle qu'elle aime quand c'est long, elle aime quand Dagobert est long, elle aime quand ceci est long, elle aime quand cela est long. Vous vous souvenez de cela quelques jours ici, je parlais justement de ces artistes camerounais parce qu'ils avaient le toupet de se comparer à Davido, à Fally Ipupa et tout, à se comparer à des stars internationaux, à des stars planétaires. À des stars planétaires. Parce que quand on arrive, on sort de son Congo natal, on est chanté ici à l'Arena, ça dit qu'on est une star planétaire. Quand on sort de son Nigeria natal, on est chanté ici en France, on est chanté à Dubaï, c'est qu'on est une star planétaire. Ce n'est pas donné à n'importe qui, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, quand j'ai vu des gens du continent en train de comparer et de petits pays, vous avez entendu le montant du cachet des petits pays, donc vous chanter ici en France, 6 000 euros, Florent, il a pleuré ça partout. J'ai vu les gens du continent en train de comparer les artistes du continent, Turbo du Cameroun,
aux gens comme Davido, aux gens comme Bonsoir ma Juju, aux gens comme Fanny Poupa, je me suis dit, on marche sur la tête. On marche effectivement sur la tête. Regardez Kossi a fait la première partie de Fanny Poupa ici à l'arena. Il a chanté deux œufs spaghetti. Les gens devaient se demander dans la salle que mais c'est quoi deux œufs spaghetti. Les gens devaient se demander que mais c'est quoi deux œufs spaghetti. Voilà une chanson. Voilà parce que peut-être Fanny Poupa a voulu, parce que quand on a des grands concerts comme ça, on peut pas faire ça seul. Il faut toujours chercher des stars avec qui, il faut les chauffeurs de salle comme les Kossi, il faut toujours des gens qui vont venir. Le temps que l'artiste même, là, que la personne même qui a le concert vienne, il faut avoir des, on invite d'autres personnes, plein d'autres artistes qui viennent pour que la fête soit belle. Voilà, plus belle. Alors, on a Kossi qui a chanté ce deux œufs spaghetti. C'est pas une chanson, ça. C'est vraiment de l'animation. Mais voilà, on l'a invité, il a chanté ça. Et quand tu vas écouter le son deux œufs spaghetti et tu vas tu vas écouter la chanson de Fally qui va chanter après avec tous les accessoires, avec le son, avec tout, tu comprends qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc quand vous voyez aujourd'hui, quand on a décrié cela, j'ai tellement critiqué les artistes, j'ai entendu des gens partout, wow, vraiment, vous dénigrez les artistes camerounais, vous les rabaissez, vous ne valorisez pas la culture, patati patata, je n'ai entendu que ça. Comme si l'occasion faisant le larron, même pas deux jours. Voilà, Manibela qui nous sort une chanson, tout droit sorti des bars d'Engana, d'Agobert. Elle aime quand d'Agobert est long, elle aime quand d'Agobert est ceci. Voilà une chanson. Avec ça, je vous avais dit, la musique, c'est quelque chose, la musique, c'est comme l'air, ça brise les frontières. Quand une musique, elle est belle, ça s'en va tout seul. On n'a même pas besoin de télécharger. C'est-à-dire que tu entends seulement, tu marches, tu n'as même pas besoin de savoir de quoi il est question dans la chanson. Seulement, le rythme et tout, les instruments t'emportent. La musique, c'est pas que tu vas jouer. Quand tu chantes bien, même si tu chantes dans ton WC, ça va arriver là où ça va arriver. Bonsoir, Clouamant. Je dis que quand tu chantes bien, même si tu chantes dans ton WC, ça va briser les frontières et aller, arriver là où ça doit arriver. C'est comme ça la musique. Donc tu ne peux pas être là que tu chantes les deux spaghettis, tu chantes les Dagobert au quartier, au sous-quartier au Cameroun, et tu t'attends à ce que demain, tu sois en train de faire un Zénith, tu sois en train de faire un Arena, tu sois en train de faire un Olympia. Mais quand même, il faut quand même avoir une musique qui va permettre. C'est-à-dire que même si on dit que Makana, mais même si le blanc ne comprend pas le Makana, bonsoir, Bana. Même si on ne comprend pas le Makana, au moins les gens dans la salle, les instruments et tout, ça parle aux gens. Voilà donc nos artistes camerounais que vous voulez comparer à des artistes des artistes internationaux comme les Fally, les Davido et tous ces autres artistes. Voilà exactement à qui vous voulez comparer. Voilà une chanteuse, une maman qui vient à peine de faire son enfant. L'enfant n'a même pas 2 ans. L'enfant, elle va chanter Dagobert. C'est-à-dire que la perversion pervertit la jeunesse. Ce n'est que ça. Au Cameroun, on ne chante que les musiques de bar, les musiques de Nganda. On ne chante que le bar van. Ce n'est que ça. Et c'est ça que vous voulez qu'on encourage. C'est-à-dire, vous voulez qu'on soit d'accord avec eux. Vous voulez qu'on acclame cela. Parce que ce sont les gens du continent. Non. On peut aussi bien chanter sans parler de sexe. Donc, toutes les chansons d'amour que Fally ne peut pas chanter là, c'est le sexe qui parle dedans. Donc, tout. Elle dit, un artiste, d'abord, c'est lui qui sait faire ses textes écrits. Il dit, elle écrit. Une chanson, c'est un test. Même si tu chantes là, je t'aime, du début de la chanson jusqu'à la fin de la chanson, c'est un test. Il faut d'abord que tu puisses écrire quelque chose. Tu ne peux pas te lever. Tu es là à nous chanter que Dagobert, j'aime quand c'est long. J'aime quand Dagobert est long. Mais et vous appelez ça artiste. Et vous voulez les comparer aux gens. Vous voulez les comparer à des vrais artistes. Vous voulez qu'on supporte cela. Vous voulez qu'on dise le van et quoi. Vous voulez qu'on encourage ça. Mais quand même. Il faut quand même qu'à un moment donné, que nous nous essayons même d'être honnêtes avec nous-mêmes. Ne ris pas, Jorel. Il faut qu'on soit honnêtes avec nous-mêmes. Qu'on comprenne que non. Il y a des musiques. Comme on avait dit que.
J'avais dit dans un commentaire, il y a une artiste qui chante le 26 kilos là, où elle apprend où c'est mal là, où c'est quoi, quand on dit qu'elle elle chante dans les funérailles. Il faut qu'on soit là, on ait la capacité de reconnaître la place de chaque artiste camerounais. Il faut qu'on reconnaisse qu'ils sont très, très peu. Il y a une infinie quantité d'artistes qui peuvent se permettre que leur musique sorte du Cameroun. Quand j'entends les gens dire, oh, Trans Africa, oh, on a vu, telle personne est numéro 1, Trans Africa, oh, telle personne a eu 3 canals d'or. Mais quand vous entendez que Chris M a eu 3 canals d'or, ça sert à quoi? On ne connaît pas Chris M ici en France. Aucun média français ne les Energy Music, tout ça, on ne diffuse pas Chris M dans les choses de la musique en France. Trace Urbaine, qui est Trace Urbaine? Ça veut dire que Trace Urbaine, ça veut dire que c'est des traces qui regroupent à peu près les meilleurs des États-Unis, d'Afrique, partout. On ne montre pas les artistes qui chantent Chris M. Elle ne passe pas là-dedans. Elle ne passe pas. On ne connaît pas Chris M ici en France. Quand Manu fait le 6-10 le matin, c'est pas la musique de Chris M qu'on entend. On écoute du Davido, on écoute du Fally Ipupa, on écoute de la musique ivoirienne, mais on n'écoute pas la musique camerounaise. En fait, notre musique, elle est faite uniquement pour le Cameroun. Il y a très... C'est-à-dire, même la petite quantité qui arrive à se démarquer, telle que les Salaciel, les Charlotte Dipanda... Je ne sais pas. C'est-à-dire, quand je m'en vais au travail, je m'en vais toujours je mets toujours Énergie ou bien Skyrock. Même Charlotte Dipanda, je n'écoute pas sa musique dans... Bonsoir, ma folleur. Je n'écoute pas sa musique dans les trucs ici en Europe. Hein. Je suis désolé, je n'écoute pas la musique de Charlotte Dipanda. Pourtant, Charlotte Dipanda arrive à faire certaines salles ici en Europe. Mais je n'écoute pas la musique... de Charlotte Dipanda sur Énergie, je n'écoute pas la musique de même de On s'en fout qu'on a fait des morts, on a vu les milliers et milliers de vues sur YouTube, je n'écoute pas ça. Voilà, je n'écoute pas ça. Ça ne passe pas sur Énergie, ça ne passe pas sur Skyrock, ça ne passe pas sur Chéri FM. Il y a plein. Vous êtes tout même sans dire qu'on a plein de médias qui diffusent les musiques et ici en Europe on respecte ce qu'on appelle droit d'auteur. Je n'écoute pas. Donc, il faut quand même que quand vous voyez des gens comme Mani Bella sortir ce genre de chansons et vous allez voir les mamans camerounaises, les jeunes filles, faire le challenge dessus sur YouTube, jusqu'à va partager. Même pour faire le buzz, il faut quand même faire du buzz avec quelque chose qui a un sens. On est quand même des exemples. On a des enfants. Vous pensez que moi, qu'est-ce qui me dépasse aussi de venir m'asseoir devant vous avec les trucs de les reploplos là, quand ça a tombé là, ça regarde en bas là. Je m'assois aussi devant vous pour vous séduire. Parce que j'ai mes enfants à la maison. J'ai des enfants. Mes enfants m'ont interdit depuis que j'ai créé mon compte TikTok. Mes enfants m'ont dit, maman, je te dis, je ne vais pas te voir sur TikTok. Je suis en train de me comporter là. C'est comme si c'est qui t'a recommandé. Mais ils me disent, mais maman, on ne veut pas te voir sur TikTok parce qu'on a des amis qui sont sur TikTok. Et puis nous, ça nous fait bizarre de te voir sur TikTok. On ne veut pas. Tu as déjà Facebook. Contente-toi de ça. Je dis que, et ils sont quatre. Il n'y a que ma fille aînée qui s'en fout. Mais tous les trois autres ne veulent pas me voir sur TikTok. On a quand même des images. Donc vous imaginez, moi, une simple maman lambda du sous-quartier, elle a plus forte une artiste. On a quand même une image à respecter. Nous sommes des mamans. On ne peut pas se permettre de ça. De cela pour chanter que le Dagobert. Nous tous, on sait ce qu'il veut dire Dagobert. On aime quand Dagobert est long. Et puis, nos enfants vont danser ça. Hein? Voilà comment on pervertit. Quand on va demander à l'autre enfant là, que Dagobert, là, c'est quoi? On va dire que Dagobert, c'est le tendon. Nous tous, on sait que Dagobert, c'est une façon simplifiée de dire Mangala. Mais il ne manque même plus que ça. Ce n'est pas une honte. Et vous voulez qu'on valorise quoi? Vous voulez qu'on encourage quoi? Et à demain, quand on va vous dire qu'on a invité Fally Ipupa au Cameroun, on l'a payé 50 millions. Vous allez dire, oh non, il faut privilégier les artistes continentaux. C'est notre argent. Il faut payer. On va payer pour aller suivre ça. On va payer pour aller suivre des choses comme ça. On va payer pour aller voir les gens raconter dans un star que j'aime quand Dagobert est long. Donc on va payer pour ça. Même si c'est une société du Cameroun, même si c'est Camtel qui est 100% camerounais, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de payer. Et voilà, voilà donc nos artistes,
Voilà. Et ça se permet de se comparer à des vraies stars planétaires. Ça se permet de se comparer à des gens, à des artistes que vous voyez. Non, mais pour moi, Niabara et Niangola du Sud sont des comédiens. Pour moi, je les classe dans la catégorie humour. Parce que si tu veux rire, tu les regardes, tu vas rire. Mais quand on parle de musique, il faut quand même que les gens comprennent que non, c'est quand même un contenu. Moi, je suis dépassée quand on voit les gens chanter. Les gens chantaient, chantaient les musiques des États-Unis, chantaient les musiques de ceci. Et puis, les gens même s'énervent quand on dit que non, dans les soirées camerounaises, on écoute beaucoup plus la musique étrangère. Mais quand la musique est bonne, quand vous écoutez Fally, est-ce qu'on peut organiser une fête sans jouer Fally? De vous à moi. Quand vous écoutez Fally, est-ce qu'on peut organiser une fête sans mettre Fally dedans? Je suis désolée. Parce qu'il y a combien de chansons que tu as dit que tu es dans une fête, tu es assise là. Comme à l'époque, quand tu écoutais Koffi, tu es dans une fête, on met la musique, on met la musique, on met la musique, on met la musique. Tu es là, tu n'entends rien. Tu entends une chanson. Moi, quand je suis à une fête, il y a les anciens morceaux là, les quartiers latins. Quand j'entends ça, même si mes chaussures, avec mes pieds là, même si quelque chose, je mets des choses et que ça nous bat dans toute la salle, j'enlève mes chaussures et je danse. Il y a les chansons que, même quand tu es à un endroit, on met forcément ta tête, quand on met les chaguis, quand on met les. Non, mais attendez. Vous êtes là, on vous parle des artistes, vous dites que Dagobert, mais non, parce qu'il y a des chansons de Fally, qu'est-ce que tu dis que tu es même Quartier Latin, Koffi Olomidé, mais quand tu es là, dans exactement. Mais tu supportes quand tu viens pas te lever, mais allez. Donc, en fait, il faut quand même que les gens comprennent beaucoup de choses. Que la musique, c'est quelque chose qui est censé non seulement éveiller les gens, quand tu es malade, parfois tu es couché à l'hôpital, tu écoutes la musique, ça t'éveille et tout. Donc, il faut savoir que la musique, c'est quelque chose qui est très important. Donc, il faut aussi savoir quel message véhiculer dans cette musique-là. Il y a des musiques de marécage, les musiques de sous-quartier, les musiques des bars. Il ne faudrait pas que les gens viennent nous embrouiller avec. Et avec ce genre de musique, quand on veut les dénigrer, il faut les dénigrer proprement, correctement et bien. Point. Il ne faudrait pas que les gens viennent dire après que non, vous rabaissez, vous faites ceci. Non. À un moment donné, il faut que les gens arrêtent d'être en train de pervertir les enfants des gens. Quand vous voyez comment les enfants dansent au Cameroun, comment les enfants bougent les lattes, tu comprends que non, ce n'est pas bon. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Donc, il faut qu'on ait quand même la capacité de dire que non, là vraiment, Maniba, là, avec son histoire qu'elle a sortie là, c'est vraiment de la pure connerie. Il faut qu'on ait le courage de le lui dire. Et quand on a dit ça comme ça, c'est bien. Ça nous permet d'avancer. Voilà. Je vois des gens et les uns et les autres nous parler là de. Oh, le boycott des petits pays, on a laissé quand même jouer, patati patata. Le boycott, c'est un sujet qui donne beaucoup d'adrénaline. Le boycott, c'est un sujet qui divise beaucoup sur la toile. Et je suis d'accord avec vous, hein. Ça divise, mais c'est normal, il n'y a aucun sujet qui ne peut pas diviser. Vous voyez, Maniba l'a sorti Dagobert. Il y en a quand même qui sont d'accord avec elle dans son Dagobert. Hein. Vous voyez, on ne peut pas toujours être d'accord sur tout. Je vais profiter, comme vous êtes là, pour vous dire un petit truc. J'ai vu une discussion aujourd'hui. Je suis allé sur la page d'un combattant. J'aurais Jacques Zang, peut-être vous le connaissez bien, il est toujours en train d'écrire, il écrit les longs textes, voilà, il écrit, clic, voilà. Donc, j'ai vu, et je suis malé parce que Sport de l'Ouest qui est là-bas dedans, qui disait qu'il devait être au boycott de Kameni, il devait nous attendre les gens à la porte, est venu mettre quelque part sur ma page, donc ça a été mon attention, j'ai lu. Alors, je vois des gens dire, vous n'avez pas boycotté Kameni, vous n'avez pas boycotté Kameni parce que, voilà, parce qu'elle est Bamileke. La brigade du boycott, c'est une brigade des Bangantais qui sont là pour faire des règlements de compte. J'aime à vous dire, je ne sais pas pourquoi vous êtes, je ne sais pas pourquoi les gens aiment faire dans la diversion. Je n'ai pas beaucoup de temps à venir sur Facebook divertir les gens parce que ce n'est pas ce pourquoi je me suis levé. Si je dois faire dans la diversion, divertir les gens, bien vous détendre, je dois chercher autre chose. C'est-à-dire que quand je vous raconte mes 400 coups, là, on est dans la distraction, on est là pour rigoler. Et je vous dis, je vais vous raconter une anecdote, on va rire. Je vous le dis, je vous préviens à l'avance. Je vous préviens. Mais quand je me suis levé pour faire des lives,
Je ne me suis pas dit pour faire les lives, pour venir faire dans la distraction, pour venir faire rire les gens. Parce que même pour faire rire les gens, ce n'est pas gratuit. Voilà. Tu as mis ça sur... Tu as recopié le texte de Jorézan. Tu as mis ça dans un commentaire sur ma page, Port de l'Ouest. Voilà. Donc, ne me dis pas que tu m'as dit ça quand je te dis que j'ai lu. Je dis bien que j'ai lu ce que tu as écrit. Voilà. Bon, bref. Moi, s'il y a quelque chose avec lequel je suis plus... Bonsoir, Blanche-Neige. Avec lequel je suis intransigeante, ce sont mes frères de l'Ouest. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui aiment beaucoup la fête. Et qui savent, et qui aiment mettre le paquet quand il faut faire la fête. Et qui aiment dépenser. Quand vous entendez soirée culturelle, c'est toujours eux qui organisent. Vous entendez ceci, c'est toujours eux qui organisent. Voilà, Fleur de Lys qui a que de pleurer, non? Et ça, c'est eux qui habitent petit pays. Et ça, c'est eux qui a que de pleurer, là. C'est toujours nous, en fait. Parce qu'en fait, comment est-ce que de chercher l'argent? Et quand on sait qu'en organisant la soirée culturelle, on va se faire un peu d'argent, on sait qu'en faisant telle chose, on va se faire un peu d'argent. Donc, tout est bon pour se faire des sous. Quand il y a Ibami Power, si je donne ma position sur Ibami Power, mais sachez une chose, c'est que quand vous vous asseyez dans vos fauteuils, comme avec Vincent dit, canapé feutré, vous avez l'impression de jouer au donneur ou bien au donneur de leçons. Je vais vous demander, vous donnez les leçons à qui? Vous donnez les leçons à qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la brigade de boycott qui est votre enfant? C'est-à-dire que vous allez dire, va faire ceci, il va aller faire, ou bien va faire cela, il va aller faire. Est-ce que vous avez mandaté les gens pour faire quelque chose pour vous? Non. Est-ce que vous vous êtes levé un jour, vous avez décidé que voici tel combattant, vous allez aller boycotter? Non. Vous restez chez vous, vous êtes les juges. C'est vous qui donnez le carton rouge, le carton jaune, le carton orange, vous avez le carton qui vous plaît. Mais vous êtes assis chez vous, hein. J'aime encore qu'un combattant qui me fasse un reproche sur quelque chose que je fais, que ce soit quelqu'un avec qui je chemine ensemble, ou alors que ce soit quelqu'un que parfois, quand il sait qu'on est en difficulté, même pour se déplacer, va vous dire que, ben, les cavala, 100 euros, mettez-le dans la caisse pour vos déplacements. Je peux encore tendre l'oreille, prêter l'oreille attentive à ça. Vous étiez là, vous là. C'est-à-dire que je n'ai même pas envie d'employer des mots forts. Pas de l'Ouest qui est là. Je le tolère. Parce que le boycott du roi Bamoun, si on devait tuer quelqu'un là-bas, ça devait être lui, moi et Colette Nana. Je dis, s'il y a des gens qui devaient laisser leur vie là-bas, ça devait être lui, Port de l'Ouest, moi et Colette Nana. Parce que nous sommes les trois personnes qui avaient été pris en partie. Je dis bien les trois personnes qui avaient été pris en partie. Mais vous étiez chez vous. Certains parmi vous ont déformé même mes images. Beaucoup parmi vous se sont même moqués de moi, en disant, c'est bien fait pour toi, tu partais où? Vous qui êtes assis là, vous là, les gens qui marchent dans la nuit là, avec les avions de nuit, vous là, vous étiez là, vous vous êtes moqués, vous avez rigolé. Bonsoir, Désiré Dimo, vous avez rigolé. Si ces gars Bamoun étaient des gens, ça n'était pas dans un pays de loi. Je dis, mais ça n'était pas dans un pays de loi. Sabine Bedidom, encore un mot, je te bloque. Ça fait longtemps, on ne se voit pas. Et ta présence ne me sert à rien. Donc, si tu manques ou tu vas aller te détendre ce soir, va chercher tes lives ou peut-être vous détendre là-bas. Ici, l'aigreur, je ne tolère pas. Les gens qui marchent, qui sont assis chez eux, qui s'engraissent dans leur canapé, qui ne peuvent même pas sortir de leur canapé tellement le corps est rempli comme pour moi, si, qui ne peuvent même pas bouger, qui ne peuvent pas aller à un boycott, qui ne peuvent pas aller à une manifestation et qui viennent parler là. J'en ai déjà dit, c'est sûr que je ne supporte pas. Donc, ma chérie, si tu t'ennuies dans ton canapé feutré, chérie, va faire le ménage chez toi. Ne viens pas m'embêter là. Ça fait longtemps que j'étais bloqué sur les autres pages. Donc, si on se voit là, ça veut dire que c'est la seule page. C'est ma seule page où tu es encore visible. Donc, s'il te plaît, tu m'as remarqué que depuis, je ne te voyais pas et ma vie n'a pas changé. Parce que vous avez l'impression que quand vous êtes dans les lives, les gens vous leur donnez de l'argent. La page là, il n'y a même pas d'argent. Et même s'il y avait l'argent. Il y a l'argent des gens que je refuse. C'est la catégorie des personnes comme toi là. Je refuse votre argent. Donc, quand tu viens t'affaler là, on dirait quelqu'un qui n'a pas vu Dagobert depuis. Tu viens t'affaler là pour verser ton aigreur. Oh, vous vous engraissez. Oh, vous vous faites ceci. Oh, vous... Mais viens, on s'est engraissé. Donc, je vais donc vous dire que quand vous êtes assis chez vous, à donner les injonctions aux gens, à donner les... J'ai déjà bloqué, à donner les ultimatums, à faire la leçon de morale. Mais j'aimerais encore que vous venez dire ça en vous déplaçant. Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez dire là, étant assis derrière vos écrans, jusqu'à ça influence les gens qui doivent être sur le terrain?
Parce que je vous vois, vous écrivez beaucoup, 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 beaucoup. Vous faites beaucoup, 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 beaucoup de reproches. Mais vous êtes assis chez vous. Donc vous pensez que ça peut impacter quoi sur moi qui dois me déplacer pour aller sur le terrain? De vous à moi. De vous à moi, vous pensez que ce que vous avez dit là peut impacter comment? Quand vous êtes assis chez vous, en que seulement de babader, 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 ça peut impacter quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ah bon? Ferme, je sais pas, le problème souci. Bah, je sais pas. Donc, quand vous bavardez comme ça là, ça me fait beaucoup rire. Bonsoir Thomas, parce que je me dis tout simplement, c'est comme les gens qui, comme les gens qui disent, non, il faut qu'on chasse Paul Biya, il faut qu'on chasse Paul Biya. Ils n'ont ni carte de lecteur, ils n'ont ni rien, mais ils veulent chasser Paul Biya. C'est pas à ça que je pense. C'est toujours à ça que je pense quand je vous entends parler. C'est-à-dire, oh, on veut changer. Il faut qu'on chasse Paul Biya, mais tu ne peux pas voter. Tu ne peux pas aller à une manifestation. Tu ne peux rien faire. Tu n'as même pas de carte de lecteur. Tu ne peux rien faire. Mais tu veux que Biya dise. Mais tu veux qu'on chasse Biya. Comme ça, par magie. Elle dit bien comme ça, avec tes commentaires, ton bavardage sur Facebook. C'est un peu à cela que je pense. Parfois, quand je lis certaines personnes, je me dis, mais attends. Vous pensez que dans une structure, même si c'était une société, il y a des avis, il y a des discussions entre les gens. La brigade de boycott est faite de personnes. Vous pensez que c'est sur tout qu'on est d'accord? On n'est pas d'accord sur tout. On n'est pas d'accord sur tout. Mais quand la majorité a déjà décidé de quelque chose, les autres s'alignent. Vous m'avez vu ici, je me suis exprimé sur le boycott de Elvis Kemalio. J'étais l'une des personnes à m'exprimer dessus. Et je peux vous dire que c'est parce que j'étais contre, j'étais pour le boycott d'Elvis Kemalio, que les gens, c'était mes frères du combat, m'ont laissé aller me faire agresser avec les ports de l'Ouest au boycott du roi. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on boycotte Elvis Kemalio. Mais vous en avez dit, non, c'est le frère du village, c'est la brigade des Banganté, et tout, et tout, et tout. Vous pensez que quand vous dites, quand vous allez finir de dire ça comme ça, ça va nous empêcher d'aller boycotter après. Sérieusement. Donc vous pensez que quand vous allez dire comme ça, que c'est la brigade du village, c'est les frères ceci, après on pourra aller boycotter. Non. Non. Sachez qu'on est, on est des hommes et des femmes. On peut même faillir. On peut même se tromper. On peut même se tromper. On n'est pas des êtres infaillibles pour dire que non, tout ce qu'on doit faire doit être bien, doit toujours être bien, on doit être irréprochable. Non. Vous avez vu, quand le prix de Petit Pays est sorti, j'ai pris le boycott, j'ai pris l'affiche de Petit Pays, j'ai mis la croix. J'ai pris, moi-même, j'ai mis la croix, j'ai mis sur Facebook. Je n'ai pas demandé si X ou Y était d'accord, j'ai mis sur Facebook. Mais vous ne voyez pas que vous-même, certaines personnes avec qui je suis dans le boycott ne sont pas d'accord avec le boycott de Petit Pays. Mais moi, qui suis d'accord, je suis peut-être seul, on est peut-être deux ou trois. Mais il y en a qui ne sont pas d'accord et qui viennent me l'exprimer ici sur la toile. Et d'autres viennent même vous dire que non, la gente, tu crois que ça parce qu'elle va avoir des vues. Mais vous pensez que il faut seulement s'énerver comme ça, aller boycotter parce qu'on a dit que un X, un Y. Je reviens. On a vu Kameni, pour revenir à ça, vous avez dit on a laissé Kameni chanter parce qu'elle va me léquer. Chris M a chanté ici, non? Vous n'avez pas vu Chris M chanter ici? Vous n'avez pas vu Chris M chanter? Vous n'avez pas vu Fadil le sorcier chanter? Vous n'avez pas vu Ténor? Ténor, vous n'avez pas vu Ténor chanter? Vous n'avez pas vu Vanishter chanter? Si. Ils ont tous chanté. Ils étaient tous là. Ténor était là, il était en Allemagne, et tout, et tout, et tout, et tout. Il a fait plein de tout là. Il était là, puisqu'on voit. Vanishter, elle était en Belgique et tout, et tout, et tout. Fadil le sorcier nous a même appelé pour nous demander que, est-ce qu'on le boycotte ici, cela, patati, patati, patata. Aujourd'hui, vous voyez, parce que Kameni est parti dans une petite salle parisienne de 300 places. Oh, vous n'avez pas boycotté parce que. Sachez, je vais encore vous le dire une fois pour toutes. Un boycott, ça nécessite de la logistique. Ça nécessite de l'argent. Les gens se déplacent, on ne marche pas à pied pour aller en boycott. Regardez le temps qui est dehors. On laisse les enfants parce que quand vous entendez les artistes, ça ne serait pas les comptes. Quand je commence à chanter à 17h, ça se passe dans la nuit. Il faut beaucoup de choses pour se déplacer, mais on le fait. Et ce n'est pas pour venir se faire prendre les cartons rouges, les cartons jaunes. Mais ça ne sert à rien parce que je vous dis que ce qu'on fait, on n'a pas de rétribution financière derrière. Ce qu'on fait, c'est du bénévolat et que on est des êtres humains. On peut se tromper. Donc, mettez-vous dans vos têtes que même les gens de la brigade du boycott peuvent se tromper. Quand, du moins, vous allez comprendre qu'on peut se tromper, les choses iront mieux.
Vous allez moins juger, vous allez moins être exigeant, vous allez moins faire comme si peut-être vous nous payez pour un travail, on ne fait pas bien le travail. Quand vous allez comprendre que même nous, on peut se tromper, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Mais ça va aller tellement mieux pour tout le monde. Parce que vous allez comprendre que oui, ils peuvent se tromper, ils peuvent laisser un... Parce que chante samedi, hein. Samedi qui est là après-demain. Vous n'allez pas voir les brigadiers aller le boycotter parce que moi, je suis pour son boycott. Mais parce que je vais me lever comme ça toute seule, cognan. Parce que j'ai peur que si je n'ai pas à son boycott, on va dire que la jeune du n'a pas boycotté. Donc si je m'avais là-bas, on va me faire comme les bambous m'avaient fait là. Vous allez dire quoi? Donc vous pensez que je vais, comme mes frères du boycott sont contre. Ils disent qu'on ne boycotte pas petit pays. Je vais me lever comme Nyangono, comme Zembla. Je vais me placer pour boycotter petit pays. Mais quand je vous lis, je me demande, mais attends, ils s'asseyent même où? Mais ils se placent même où pour parler, pour critiquer, pour donner les injonctions, pour donner ceci? Mais attendez, mais sortez de vos maisons. Venez aussi assister à ma 2-3 boycotts et puis vous allez comprendre. Donc, quand je vous lis, je me dis, mais il y a un sérieux problème là. Il y a vraiment un sérieux problème. Regardez la brigade du boycott. Il y a 2 ans en arrière, regardez ce qu'elle est aujourd'hui. Vous ne voyez pas qu'on compte les combattants du bout des doigts? Vous ne voyez pas qu'on compte les combattants du bout des doigts? Vous ne voyez même pas qu'il y a certains qui sont devenus des hommes d'affaires? Donc, franchement, si vous trouvez que nous ne le faisons pas bien, mais retrouvez-vous, regroupez-vous en petit comité et vous allez faire mieux que nous. Ce n'est pas la peine de venir nous mettre là à nous juger. Non, c'est le boycott du village. Non, vous êtes tribaliste. Non, c'est des règlements de compte. Non, c'est de ceci. Non, c'est de cela. Moi, VDK. Depuis que je suis dans ce boycott, je n'ai jamais fait un boycott de règlement de compte. Jamais je n'ai fait un boycott de règlement de compte. Parce que je n'ai aucun problème avec un quelconque artiste. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Je n'ai aucun problème avec un artiste. Donc, je ne les connais pas. Pour dire que oui, tu vas aller là parce que tel artiste, je ne les connais pas. Donc, arrêtez de vous prévaloir, de vous parler pour je ne sais pas quoi. Parce que vous allez vous donner des données, vous allez faire des grandes analyses et tout. Non. Ça ne va rien donner. Parce que, en fait, si vous voulez nous empêcher de boycotter, venez nous retrouver sur place. Comme les sardinats disaient, on va venir vous trouver sur place. Mais ne restez pas devant vous à nous raconter et tout. Non. Ça ne va rien donner. Vous pouvez faire autant de lives, vous pouvez critiquer autant que vous voulez. Ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. Parce qu'il y aura toujours une foyer de personnes qui vont... Même si moi, j'arrête le boycott aussi, il y aura des gens qui vont faire. Et vous n'êtes pas sûr que ça va vous plaire. Je vous dis que moi, je suis dans ma tête, dans ce que je vois et dans ma philosophie. Si ça ne dépendait que de moi, je vous le dis, si ça ne dépendait que de moi, de la chose du quad, pratiquement aucun artiste camerounais ne presterait en diaspora. Je dis bien pratiquement, mais ça ne dépend pas de moi. Parce que je suis zéro tolérance. Mais malheureusement, ça ne dépend pas de moi. Je dis que ça ne dépendait que de moi. Ce que pratiquement zéro artiste ne preste ici. Mais malheureusement, ça ne dépend pas de moi. Petit pays qui arrive là, c'est un sardinat. Mais les gens veulent me faire comprendre que ce n'est pas un sardinat. Et qu'est-ce que vous voulez? Comme je dis qu'il est sardinat, Farel. Que comme moi, je dis qu'il n'est pas sardinat. Et que j'ai mes amis qui disent qu'il est sardinat. Donc, que je me lève toute seule comme Rambo, je m'avais le boycotté pour vous faire plaisir. Comme ça, vous allez dire que oui, mais les autres ne voulaient pas. Mais les gens du quoi, l'héroïne est quand même partie. Pour la gloire de quoi? Pour la gloire de vos bons yeux? Vous ne savez pas que j'ai 4 enfants à la maison? Mais il faut quand même que vous arrêtez. Les gens sont là, ils pensent que c'est eux qui décident de la vie, de comment quelqu'un va mener son combat, de comment quelqu'un va faire sa chose. Donc, vous ne comprenez pas que on est un groupe de personnes et que parfois, 10 personnes sont pour, 11 sont contre. Ça ne marche pas. Hein? Vous n'avez pas vu des gens avec qui je suis dans le boycott, allumer la caméra pour faire des lafs, pour m'insulter? Vous n'avez pas fait le boycott des risques maillots ici, son premier boycott à Bami Power. Comment ça chauffait ici sur la toile? Comment les gens ont se fusillé à distance les unes les autres? Vous n'avez pas vu? Vous voulez quoi?
Vous voulez quoi? Jusqu'à vous là nous dire, non, vous n'avez pas boycotté, vous faites ceci. Kamani, je ne la connais pas. Je ne la connais ni d'Adam, ni d'Ève. Donc, ça ne dépendait que de moi. On la boycottait. Mais ça ne dépend pas de moi. Je dis, ça ne dépend pas de moi. On est une équipe. Si j'avais la force de prendre les gars, mais le boycott du roi Bamoun que... le boycott du roi Bamoun que voilà. Port de l'Ouest est là. On est parti parce que les autres ne voulaient pas. Port de l'Ouest est là. Que je l'ai pris, on a dit que... Et je peux vous dire, même quand je l'avais dit, c'est que même quand le boycott du roi Bamoun, là, nous, il y a même certains qui nous ont dit qu'on vous a bien nac là-bas, c'est bon. Vous parlez de quoi? Je ne suis pas dans le sentiment. Je dis que ça dépendait que de moi, moi seul. Personne ne prestait ici en diaspora. Parce que à 99% sont des sardinats. Petit pays qui arrive là, c'est un sardinat. C'est un sardinat. Mais on va te dire que Laurent Esso, c'est son oncle, c'est son ceci, c'est son cela. Vous le voyez dénoncer? Allez sur sa page, regardez s'il dénonce. Vous me demandez, allez sur la page des petits pays, regardez s'il dénonce. Mais on m'a dit qu'il chantait tous les chefs d'État. En 1900, combien, je ne sais pas combien là. On m'a dit qu'il chantait ça. Donc, comme il chantait ça, en 1900, ouais, tous les chefs d'État meurent. C'est dit qu'il dénonçait. Vous voyez, on est un groupe de personnes. Moi, je veux le boycott des petits pays. Mon ami ne veut pas. On fait comment? 610 et que je sais pas comment. Donc, arrêtez. Parce que vous jugez sans savoir que on est des gens, on décide ensemble et parfois ça ne va pas, on est obligé de laisser comme ça. Kameni que vous voyez là, dans le groupe, elle devait être boycottée. Elle devait être boycottée. Kameni. On dit, est-ce qu'elle dénonce? Non. Vous voyez les trucs sur sa page? Non. Je leur ai dit, vous voulez boycotter Kameni? C'est bien beau. Mais petit pays aussi ne dénonce pas. Je reste ferme là-dessus. Petit pays ne dénonce pas. Ça fait des années que ce monsieur ne dénonce pas. C'est un sardinat. J'avais fait un live où je disais que tous ces jeunes-là, les fadis, les sorciers, les tout ça. Port de l'Ouest, il ne faut pas m'énerver. Va sur la page des petits pays, tu fais une capture d'écran là où il dénonce, tu vas me montrer. Il ne dénonce pas. Il n'y a rien sur sa page. J'étais sur sa page. Il n'y a rien. Donc, en fait, c'est pour dire que on est des êtres humains et que tout ne dépend pas d'une seule personne. On est dans une brigade, chacun a ses affinités, chacun a ses sensibilités, chacun a ses ceci. Il y a des gens qui trouvent que petit pays, quand ils étaient encore jeunes, petit pays dénonçait ou bien je ne sais pas quoi, et tout. Il a dénoncé, patati patata, les gens restent figés dessus. On n'est pas la brigade, comment dirais-je, où il y a une personne qui décide seule, qui dit que non, c'est comme ça. C'est parce que si c'était moi, si j'avais le pouvoir de décider seul, c'est que tous les artistes sont boycottables. Parce que les artistes ont un impact, ont un pouvoir que vous ne pouvez même pas imaginer. Regardez quand Lady Ponce a lancé le papier dans la main avec l'affaire de Camtel. On a fait combien de juges pour parler de ça? Voilà la puissance d'un artiste. Quand les gens pensent à parler de la vie de Camtel, on a fait 3 jours, 4 jours, on a fait que parler de ça. C'est parce que c'est ça le rôle d'un artiste. Elle savait ce qu'elle faisait. C'est-à-dire que tout le monde a parlé d'elle. C'est-à-dire que pendant 2-3 jours, on a arrêté de respirer pour parler de la vie de Camtel de Lady Ponce. Parce qu'une artiste, elle est suivie. Elle est suivie. Donc, en fait, quand vous dites que les artistes sont des ambassadeurs, on sait de quoi on parle. Donc, ça ne dépendait que de moi. Je dis bien que de moi. Personne ne chanterait en diaspora, mais ça ne dépend pas de moi. Voilà, c'est clair. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend d'une équipe, ça dépend des gens. Et chacun, il y a des gens qui font comme si un artiste est même un membre de leur famille. Il n'y a pas un membre de ma famille dans la musique camerounaise. Hein. Dans ma famille, il y a un seul chanteur, Nia Soleil. Je ne sais pas si vous le connaissez. Dans ma famille, il y a un seul chanteur, Nia Soleil. Je dis, c'est le seul chanteur de ma famille, il s'appelle Nia Soleil. C'est mon cousin maternel. Lui aussi, il se bat là comme ça. Il dit, c'est le seul qui est artiste. Donc, je ne connais pas, je n'ai pas un règlement de compte avec quelqu'un. Vous m'avez jamais vu être ici en froid ou bien en rivalité avec une influenceuse pour dire que je règle les comptes. Je n'en ai rien à tirer de tout ça. Je dis, ça dépendait que de moi. Tous, on les boycottait. Parce que quand on veut changer les choses,
on ne fait pas dans le demi-mesure, on ne fait pas dans la sensibilité, on ne fait pas dans les... Non, on est ferme dans quelque chose. Si on était ferme dans quelque chose, ce que les discussions qu'on soit que d'avoir là, ou bien les gens, des choses, que les gens sont assis dans le canapé, en train de nous donner des injonctions là, de nous juger, ça ne devrait même pas avoir lieu. Mais comme on est des êtres humains, on est aussi comme vous, on est exactement comme vous, on souffre le chaud, on souffre le froid, souffrez de nous voir parfois cohérents, parfois incohérents, parfois on vous satisfait, parfois on est d'accord sur quelque chose ensemble, parfois on n'est pas d'accord, souffrez, supportez ça comme ça, parce que c'est des êtres humains. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse concernant la parenthèse boycott, concernant l'apparition de Khamenei et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, comprenez que quand on veut faire des choses, vous savez, même quand on était tous d'accord pour le boycott des artistes, de la majorité des artistes, il y avait toujours une partie des Camerounais qui trouvaient qu'on ne devait pas les boycotter. D'autres même nous demandent que, est-ce que c'est eux qui gouvernent le Cameroun. Et ils écrivent ça là, que la mauvaise gestion du pays, ça ne dépend pas de ces artistes. Ils le disent. Donc, voilà. Bon, bref, c'était bon de le dire. Et maintenant qu'on l'a dit, on va passer à autre chose. On va parler de la fameuse, de cette convention qui a lieu samedi. Vous avez été tous nombreux aujourd'hui. Je partage le live, s'il vous plaît. Vous avez été tous nombreux à voir le communiqué. Vous avez été tous nombreux à voir ce communiqué du MSC qui annonce un changement d'horaire par rapport à la convention. La convention devait commencer samedi 9 et se terminer le dimanche 10. Samedi 9 à 10h et se terminer le dimanche 10. Apparemment, les hiboux du palais de congrès disent que la session parlementaire, ou c'est quoi, c'est la session de quoi, qui devait se terminer le samedi, elle va se terminer plus tôt le soir. Donc, la salle que les gens ont louée, qui sont censés avoir à 10h, finalement, la salle, on va donner la salle à 17h. Vous voyez bien que les choses sont en train d'être mises en œuvre pour perturber, tout est en train d'être mises en œuvre pour perturber cette convention. Déstabiliser les militants et les sympathisants, les déstabiliser et même les décourager. Et franchement, parce que vous imaginez si ça avait commencé à 10h, l'affluence qu'il devait avoir devant le palais de congrès, le monde qu'il devait avoir là-bas à 10h, on décale pour aller mettre cela à 17h. C'est comme également, ils peuvent nous dire à 17h que la salle n'est même pas libre, venez peut-être le lendemain. Tout est possible. À la nuit où c'est en train d'être joué là, ils sont capables de nous dire à 17h là que non. Alors si vraiment on a toujours pas terminé, c'est peut-être demain. Vous voyez vous-même, vous avez vu vous-même par vos yeux ce communiqué qui est sorti. Regardez comment, malgré tout, ils sont... Oui, la salle va être libre à 17h. Donc ça veut dire qu'à 17h, ils peuvent venir nous dire que non. Ce n'est toujours pas libre. Venez à 20h. À 20h, ce n'est pas toujours... Et les faire miroiter, faire les gens dormir dehors, faire les gens... Déjà, en déplaçant ce truc à 17h, c'est pour mettre les gens mal à l'aise, les mettre dans un inconfort total. Parce que celui qui sortait le matin à 10h, et même si ça commençait à midi, il savait que le soir, il rentrait dans son hôtel dormir, et même, peut-être qu'il y a même ceux qui venaient seulement pour une journée, et que la journée du dimanche, peut-être ne les intéressait, parce qu'il est peut-être rentré. Vous voyez donc que quand ça commence à 17h, ça ne va jamais commencer à 17h. Ça commence au plus tôt, ça sera peut-être 20h. Donc ils vont travailler toute la nuit. Ils vont dormir quand? Pour pouvoir recommencer dimanche. Regardez déjà l'inconfort. Regardez déjà comment c'est être, ils sont déjà de les mettre mal à l'aise. Justement au niveau de l'organisation. Justement au niveau de l'organisation. Effectivement, ça veut dire que ceux qui pensaient même rentrer, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils arrivaient à 17h, ils arrivaient à 10h le samedi, ils ont tout l'après-midi pour faire ce qu'ils ont à faire, et c'était peut-être partir, repartir, peut-être dimanche très tôt. Parce que la journée de dimanche, c'est la journée où il devait avoir le moins de monde, moi, d'après moi. Mais est-ce que c'est encore besoin que la question se pose, Olivier? Quand ils déplacent à 17h, c'est pour mettre les gens mal à l'aise, c'est pour empêcher que ce qui devait être fait à 17h, à 10h, puisse être... Comment quelque chose que tu as programmé à 10h, on te renvoie à 17h? 17h, de vous à moi.
simple convention. Vous comprenez donc qu'ils font toujours exprès pour mettre les bâtons dans les roues, pour déstabiliser, pour empêcher ces militants, ces sympathisants de se retrouver entre eux. C'est tellement bien, c'est tellement bien calculé, bien millimétré, que c'est dur. On ne peut pas autant, combattre un parti, un simple, un tout petit parti politique de cette façon. On ne peut même pas dire qu'il ne se cache. C'est tellement fort. Mais tu parles des urnes de clouement. J'ai dit tantôt, quand j'ai annoncé mon live, que les benguistes là, les gens, on sait bien que parmi nous, il y a des combattants qui voyagent. Faites très attention. On sait que parmi nous, il y a des combattants qui voyagent. Peut-être les no-name et tout. La période qui arrive, la période des élections là, restez. Ceux qui sont en diaspora, restez en diaspora, s'il vous plaît. Il dit que la période des élections qui arrive là, restez en diaspora. Parce qu'à partir de l'année prochaine, là, évitez de descendre au Cameroun n'importe comment. Parce qu'ils vont commencer encore avec l'intimidation. Ils vont commencer avec l'intimidation, les arrestations. Ils vont recommencer avec. Quand vous voyez tout ce qu'ils font par rapport à une simple convention, vous comprenez qu'ils font tout pour déstabiliser, pour intimider, pour fragiliser. Et comme l'année prochaine n'est plus loin, parce qu'on dit que c'est demain, les choses ne font que se dessiner. Ils voient que le parti ne fait que s'organiser et tout. Ils voient que la convention, c'est quelque chose qui est très important pour le parti parce que à la fin, on va vous dire que voilà, telle personne et voilà, comme ça. Ils viennent encore, bonsoir, Caporal Grier, ils viennent encore déstabiliser. Je sais, moi, je n'ai pas de soucis avec les gens qui partent au pays. Mais je vous dis, faites attention. Soyez prudent. Si ce n'est pas important, n'y allez pas. Parce que comment se retrouver dans un gâta qui n'était pas pour lui, juste parce que c'est la période électorale, on veut intimider, on veut ceci. Vous vous rappelez comment celui de, le gars de l'Allemagne s'est retrouvé dans un gâta, alors que franchement, le gars de Truy n'était même pas un ceci, juste parce qu'il avait un livre sur lui. Faites très attention. Ne dites pas seulement que non, les BDK, c'est vous qu'on connaît, vous qui faites des lives. Même certaines personnes qui ne font pas les lives, faites attention. Je dis, faites attention. Il y a une période où il faut faire l'effort de rester de ce côté, si tu es de ce côté, et que tu sais que tu es peut-être actif sur les réseaux sociaux, et que tu sais que ton nom est peut-être d'une certaine ethnie. Ma soeur, mon frère, n'allez pas vous jeter dans la gueule du loup. C'est encore mieux de rester. L'appel passe d'abord avant de pointer le nez dehors. Parce que ça va être une période très délicate, surtout pour nous. On est leur bête noire. Nous sommes leur bête noire. Ne pensez pas que nous. Je dis, toute personne qui vit ici et qui a un nom, qui est un genre, va être susceptible d'être interpellé au niveau des aéroports et même d'être arrêté pendant la période qui arrive là. Faites très attention. Il ne faut pas que vous dites que vous n'étiez pas au courant. Je tire la sonnette d'alarme. Faites très attention. Ainsi, Cynthia, ne parlez pas comme c'était une blague. Si vous, déconnectez-vous l'année prochaine. Déconnectez-vous de votre pays l'année prochaine. Parce que ce qui va se passer, la qualité qui vont intimider les gens, la qualité qui vont effrayer les gens. Parce qu'il faut, oui, il faut qu'ils intimident, il faut qu'ils effraient pour que les gens n'osent même pas. Que les gens n'osent même pas. Et la machine est bien huilée. Nous devons accompagner, malgré tout, malgré nos divergences. Aujourd'hui, on a deux partis politiques. On a le parti de l'honorable Nietzsche et on a le MRC. Même si on ne s'entend pas, même si on ne s'aime pas, le plus important, c'est que nous voulons le changement. Je dis bien, le plus important, c'est que nous voulons le changement. Et si nous voulons ce véritable changement, accompagnons ces partis. Accompagnons-les. Je n'étais pas censé faire la mobilisation pour la convention. J'ai mis en place, offrir les pagnes aux gens parce que c'était une façon pour moi de les encourager. Mais je m'étais interdit de faire un live pour mobiliser pour la convention. Je le fais aujourd'hui
Parce que je vois, quand j'ai vu ce communiqué là, j'ai eu les boules. Je me suis dit, mais attendez, mais c'est quoi? C'est quoi? Donc, les gens ne veulent pas que le pays change. Les gens ne veulent pas que les gens... Ces gens ne pouvaient pas s'imaginer que des gens pouvaient se réunir, un parti politique pouvait tenir jusqu'à ce point. Ils sont tellement surpris de voir comment ce parti est tient malgré tout. Malgré les Noutak, les Ndjamen, les Ndoki, tout, ça continue à tenir. Malgré toutes les stratégies qu'ils ont faites pour les déstabiliser, ils continuent à tenir. Ils sont là, ils savent comme ça faire leur convention. Ils se disent, mais c'est la convention de quoi? Il faut qu'on les perturbe. On a soif de changement. On est divergent. Oui, je suis d'accord. On n'est pas des amis. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on veut vraiment le changement? Parce qu'en fait, le plus important à l'heure, ce n'est pas de savoir si on était d'accord hier, si on s'est tiré dessus, si on s'est... Non, c'est pas ça. Le timing est très juste. Le timing est très court. Le temps est très court. Et il faudrait que chacun de nous sache exactement s'il veut le changement ou pas. C'est pas que j'ai bloqué les gens comme Sabine Petit-Homme. Parce qu'en fait, le boycott, ce n'est pas avec le boycott qu'on va aller changer le Cameroun. Il faut que les gens sachent. Le boycott, c'est parce qu'on veut sensibiliser. C'est parce qu'on boycott les artistes. C'est pas qu'on demande aux artistes d'aller voter le MRC. Non. C'est qu'on demande aux artistes de dénoncer, de faire comprendre aux gens que non, ce système qui là n'est pas bon. Donc, ce n'est pas le boycott qui va aller changer le Cameroun. Non. On essaie d'éveiller les consciences avec ça. C'est notre façon à nous d'éveiller les consciences. Mais à un moment donné, il faut que les gens comprennent que les enjeux sont énormes. Ça ne concerne pas une seule personne. Je dis, ça ne concerne pas une seule personne. Ça concerne tout un peuple. Le changement que vous voyez là, c'est compliqué, je ne vous apprends rien. Mais ça leur fait tellement peur. Ça leur fait tellement peur qu'ils sont prêts à tout. Et c'est à nous. C'est à nous de nous dire, moi, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Si vous trouvez que le MRC ne vous correspond pas, parce que ce n'est pas quelque chose que je pouvais dire hier, que non, vraiment, le MRC, avec ceci, il y a ce qui ne me plaît pas, il y a la tête d'un Z qui ne me plaît pas, il y a le crâne d'un Y qui ne me plaît pas. Il y a le parti de l'honorable Nietzsche, qui est aussi un véritable parti d'opposition. Nous devons être soit derrière ces deux partis pour les pousser le plus loin possible. Et comme j'ai dit la dernière fois aux gens du MRC, le parti de l'honorable Nietzsche n'est pas un rival. C'est un partenaire avec vous. C'est un partenariat gagnant-gagnant qui doit se faire. Je dis bien que c'est un partenariat gagnant-gagnant qui doit se faire. Donc moi, je guette. Si je vois un quelqu'un du MRC faire comme si c'est un peu tiré sur... Non. Il est temps qu'on pousse. Il est temps. Je dis bien, moi si je vois un combattant être en train de pousser pour que le parti de l'honorable Nietzsche aille au plus loin, je serais contente parce que c'est l'opposition, c'est la véritable opposition. C'est ça qu'on cherche. On a parlé de coalition. Voilà quelqu'un qui a tout fait et qui vous dit aujourd'hui qu'il est d'accord, il est prêt. Bonsoir Marie, bonsoir ma chérie, bonsoir Marie-Diane. Qu'il est prêt à s'allier avec Maurice Kamto pour un véritable changement. C'est parce que il a réfléchi, il a regardé sur tous les angles. Et heureusement même qu'il est là. Parce que quand on voit tout ce qu'on nous disait, oh, Ndam Joya, mais au final, à la dernière minute, vous voyez que ça commence un peu à danser. Heureusement qu'il y a toujours un plan B. On parle de coalition. Ce n'est pas de rivalité. Ce n'est pas que... Non. Il faut que ces deux parties soient poussées, soient soutenues par nous, la diaspora, que nous les poussons le plus loin possible. Ça ne serait pas facile. Mais nous pouvons. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que si, comme le MRC, qui est beaucoup plus implanté ici, et que ça a suscité beaucoup de discussions entre nous, ça a suscité beaucoup de divisions entre nous, et tout. Voilà un autre parti qui est arrivé.
nous pouvons aussi, certaines personnes qui voient que leur, la proximité, leur ceci, les affinités avec le MBC, peut-être ça ne donne plus comme ils voulaient. Voilà une deuxième porte qui est ouverte. Voilà une deuxième porte qui est ouverte. C'est très, très important. C'est très important. Regardez, vous imaginez une convention. Juste un moment pour un. Regardez, les meetings, c'est interdit. Telle chose, c'est interdit. Telle chose, c'est interdit. Même la convention, ils n'ont pas seulement eu le cran de dire que c'est interdit. Mais ça ne peut pas empêcher. Bonsoir, Célestin. Céleste, bonsoir, bonsoir, mon grand. Ça ne va pas empêcher les uns et les autres de penser, hein, clouement. Cet homme te dit que, bon, on contient dans leur discours que, quand tu ouvres un sens, ça ne va rien changer. Nous savons tous très bien que, nous savons tous les enjeux. Et que le parti de l'honorable Nietzsche est ce parti-là qui va permettre au parti de Maurice Kamto de pouvoir prendre part aux unes. On le sait. Donc, si tu dis, si il n'y a pas ça, ça va être compliqué parce qu'on comptait sur le parti de Madame Dame, elle a constaté la danse Bafia. Elle est sans confiance dans tout le pays ici. Et pour arriver, et la carte que l'honorable Nietzsche nous a sentie là, c'était le joker. C'est le joker. Donc, à nous d'être intelligents, à nous de savoir ce qui est important et de nous dire, voilà, le timing le compte à rebours est lancé. Maintenant, mettons-nous devant la véritable opposition, mettons-nous derrière eux et avançons. C'est très, très, très important. C'est le moment. C'est le moment. Moi, l'année prochaine, en janvier, là, je ferai tout. Allez, je vais donner tout. Je vais me concentrer parce qu'en fait, c'est le résumé de tout le combat que nous menons depuis 2018. Depuis le dernier hold-up électoral. Voilà d'autres élections qui arrivent. C'est à nous de tout donner pour que les choses puissent bouger, pour que les choses puissent changer. C'est à nous. C'est à nous de tout donner. J'ai demandé tantôt que comment est-ce qu'on va faire pour voter en diaspora en 2025. Personne n'a la réponse. Personne n'a la réponse. On ne sait pas comment on va voter. Et c'est vrai ce que je disais, qu'on fait comme certains gens. C'est-à-dire que quelqu'un est assis chez lui, il n'a pas de carte d'électeur, il n'a pas de passeport camerounais, il ne sait même pas comment il va voter, mais c'est lui qui veut le changement. On dit que les élections, c'est 2027 ou avant. Nous sommes nombreux à ne pas avoir. Moi, par exemple, je ne sais pas comment je vais voter. Parce que toutes les tentatives au niveau de l'ambassade, on ne sait pas avec quoi on va voter. Si c'est avec le passeport camerounais ou avec la carte consulaire, on n'a pas d'informations dessus. 2025, janvier qui est là demain, c'est l'occasion pour nous de nous concentrer, de trouver comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour aller tous nous asseoir devant ces ambassades, devant nos représentants diplomatiques, pour qu'ils nous disent clairement comment est-ce qu'on fait pour participer, pour prendre part aux élections en 2025. Comment est-ce qu'on fait? Qu'ils nous donnent une information claire, nette et précise avec tout ce qu'il faut. C'est le moment. Janvier, c'est dans quelques jours. Mais on est encore là à faire comme si peut-être c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans. On fait comme si c'est dans 2 ans, alors que c'est là demain. On ne sait pas comment on va voter. On ne sait pas. Probablement, tu parles même, vous êtes même dit. Moi, je suis camerounaise. Oh. Je n'ai pas la nationalité française. Je suis camerounaise, je suis résidente. Mais même nous-mêmes qui ne sont pas bi, on va voter avec mon passeport et périnée. Est-ce que je peux voter un passeport camerounais périmé? Est-ce que je sais? Est-ce que je peux voter la carte consulaire? Est-ce que je sais? On n'a pas d'informations claires, précises là-dessus. Voilà plein de choses qu'on doit essayer de... On ne peut pas écrire là, on dit qu'on supporte le Nohab Nietzsche. On ne peut pas écrire là, on dit qu'on supporte Maurice Kamto. Et on ne sait pas comment on va voter. On est en diaspora, mais on ne sait pas comment on va voter. Voilà autant de choses sur lesquelles on doit se pencher. Voilà autant de choses sur lesquelles on doit... Des grandes lignes sur lesquelles on doit se pencher. Comment est-ce qu'on va voter? Même celui qui veut voter, même celui peut-être qui part, on ne sait même pas si, peut-être il part même pour aller voter pour Libya. Mais il n'a pas de carte, on va savoir comment il va aller voter pour Libya, comment? À part s'ils vont faire comme ils font souvent, ils laissent leurs frères avec leur passeport Bordeaux aller voter, parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Hein. Ils laissent les binationaux aller voter. Hein.
tant que ça va dans leur sens. On a un grand chantier devant nous et on est en train de s'amuser. On est bloqué, on est carrément bloqué au niveau de tu m'as fait, que tu m'as dit, que tu m'as fait ceci, et au niveau de donner les leçons, au niveau de corriger les erreurs des autres, au niveau de donner, de dire comment avait des cadeaux à poser son pied. On est complètement bloqué là-dessus. Alors que, étant donné que, comme dit Amand, bien connaît bien la diaspora, donc on va tout faire pour pas qu'on vote bien. Pour pas que, parce que ici, en diaspora, ça va être 100% l'opposition. Il dit, ça va être 100% l'opposition. Ils sont combien ici, les Sardinats là? Ils sont combien? Et comme ils savent qu'on est dans cette posture-là, ils vont nous fragiliser également en nous ne donnant pas les voix, en nous permettant pas d'aller nous exprimer dans les urnes. On est là. Ça n'a pas l'air de trop nous interpeller. On est là. Oh, pourquoi vous avez laissé Kamani? Pourquoi vous avez laissé Kamani? Non, c'est la base des Bangantés. Non, c'est la base du tribalisme. Non, vous faites ceci. Mais c'est de la distraction. C'est de la distraction. Pour moi, je vous ai dit que quand je lis ça, je rigole. Parce que c'est de la pure distraction. Ce n'est pas, les enjeux ne sont pas à ce niveau-là. On ne peut pas être là, on est en train d'empêcher les gens qui sont en train les militants qui sont en train d'aller s'asseoir pour discuter du pays. La convention, ils sont en train d'aller s'asseoir pour discuter, pour parler, pour trouver, pour s'organiser. Comment ils vont prendre part à la future élection qui arrive? C'est quelque chose qui est très important pour un parti politique. Donc on ne peut pas être là, un seul masque comme ça, en train de voir comment un parti est en train de se battre, de tout faire pour pouvoir se retrouver, pour décider, pour faire ceci. Et nous, les gens sont en train de me demander, de me justifier pourquoi on va boycotter un X, pourquoi on va boycotter un Y. Est-ce que c'est ça la priorité? Est-ce que c'est ça la priorité? C'est pas ça la priorité. La priorité, c'est de permettre à ces partis d'opposition qui sont vraiment dans la dynamique d'aller plus loin. La priorité, c'est que nous ayons qu'on sache comment on va voter ici en diaspora. La priorité, c'est pas de venir vous rendre compte. Mais ainsi, le communiqué est sorti. Le MSA a sorti le communiqué 17h. C'est parti. On a annulé. Ce qui était prévu à 10h va commencer. Ce n'est même pas que ça va commencer à 17h. C'est qu'ils vont se retrouver à partir de 17h. Vous comprenez que tout est chamboulé. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit que man, on va faire comment? Man, on va faire comment? Hein? Voilà des choses qui sont prioritaires. Des gens sont un peu fatigués des choses que, oh, Kamani a chanté. Kamani, c'est qui? Kamani, c'est qui? Pendant qu'on est en train d'empêcher. Les gens qui sont en train d'aller s'asseoir pour réfléchir de comment contourner ce régime, comment s'organiser. Hein? Vous avez vu, quand le président il faisait le tour du Cameroun pour les installations, est-ce que vous avez vu Mamadou Mouta se déplacer? Est-ce que vous avez vu Mamadou Mouta se déplacer? Ça, c'est quelque chose qui est très important. Hein? Mais Mamadou Mouta a dit que ils ne peuvent pas empêcher une fleur de fleurie. C'est écrit sur sa page. Je ne dis pas exactement ce qu'il a dit, mais moi, c'est comme ça que j'ai compris. Parce qu'ils sont en train de mettre les bâtons dans les roues. C'est très important. C'est très important. Donc, à l'heure-ci, que tu sois MSC ou pas MSC, cette convention-là, c'est quelque chose de très important pour l'opposition camerounaise. C'est vraiment important. Mais bijou Kamé, je te dis que ma crainte, c'est que même à 17h là, qu'on n'a même pas la salle. C'est ça ma véritable crainte. Parce que ces gens-là avaient le bonhomme pour nous sortir une carte. Est-ce que toi-même tu... Mais ils sont sans pitié. Ils sont sans foi ni loi. Tu penses qu'ils vont se gêner? Tu penses qu'ils vont se gêner de les mettre le bâton dans les roues? Non. Et pendant ça, ah, maman, ainsi, tout rêve est permis, ma soeur. Tout rêve est permis. Moi, quand une personne m'a dit du continent que VDK, je sais que toi, tu ne peux pas te permettre de venir au Cameroun, mais dis aux gens-là,
qui ont l'intention, qui pensent même, qui s'imaginent que ils vont descendre, de faire très attention, on a reçu les consignes. Mon sang s'est glacé. Mais ça ne m'empêche pas d'être là, vous dire que tout est possible. Le rêve est permis, ma chérie. Ne dis pas qu'on ne rêve pas. Tout est possible. Parce que l'avenir, que ce soit le destin de n'importe qui, personne ne sait de quoi demain est fait. Ceux qui sont là pensent qu'ils sont tous immortels. Ceux qui sont là pensent que Dieu ne peut changer. Tu comprends? Ceux qui sont là pensent que Dieu ne peut changer. Mais rien n'est. Elle dit, personne ne sait ce qui va se passer demain. Personne ne sait de quoi demain est fait, ma chérie. Personne ne sait de quoi demain est fait. On peut être là avec la boule dans le ventre. On peut être là avec le cœur, avec les palpitations. Et demain, on a une surprise qu'on ne peut même pas s'imaginer. Sinon, quand tu vois ces gens faire comme ça, la magouiller, faire des petits stratagèmes, c'est parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils savent vraiment que non, le peuple n'est pas derrière eux. Ne me dis pas que le rêve n'est pas permis. On a le droit de rêver. On a le droit de rêver. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Ne soyons pas surpris que demain, ce sont ces personnes qui sont à notre place. Ne soyons pas surprises. On a vu des chamboulements. On a vu des choses incroyables se passer dans d'autres pays qu'on ne pouvait même pas s'imaginer que ça pourrait se faire. Tout est possible. On ne sait pas comment ça va se passer, mais tout est possible. Vous pensez que si des Camerounais qui partent partout là, s'il y avait peut-être même 10 000 Camerounais demain à la convention là, ils pouvaient le mettre où? De vous à moi. Bébé Dims, moi je continue à espérer ma soeur. S'il n'y a pas l'espoir, on dit que tant qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas l'espoir, ça veut dire que je ne vis plus. Si tu n'as pas l'espoir, c'est que tu ne vis plus. Je continue à espérer. Et je te dis que j'espère fort. Hein? J'espère fort. Et j'y crois. C'est parce qu'ils sont dans l'intimidation, dans le rapport de force, dans ceci. Mais je te dis, imagine seulement que si demain, là, il y a 10 000 Camerounais au palais de congrès, ils vont faire quoi d'eux? Je te prends un exemple tout simple. S'il y a 10 000 Camerounais au palais de congrès, ils vont faire quoi d'eux? Ils pourront rien faire. Ils pourront rien faire. C'est pour cela qu'ils ont peur des rassemblements. C'est pour ça qu'ils ont peur des attroupements. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas voir les Camerounais quelque part. Parce qu'ils n'auront pas la politique, la capacité de les éparpiller. Tout est possible. Tout est possible. La peur. On dit que nous, on a peur. Mais eux, ils ont même plus peur que nous. Alors qu'ils ont tout le nécessaire, tout. Mais ils ont même plus peur que nous. Ce n'est pas possible, ça. On ne peut pas manipuler les gens, on ne peut pas traiter les gens de la sorte. Vous imaginez tous ces gens qui vont de partout. Vous imaginez des gens qui partent du nord, qui vont faire 2-3 jours en route avant d'arriver à Yaoundé. Soyons scotchés seulement samedi pour voir ce qui se passe à Yaoundé. Parce que comme les gens n'aiment pas voir, ne veulent pas voir les gens du MSC quelque part, je suis sûr que ils vont tout faire pour déstabiliser, démobiliser et tout, et tout, et tout. Je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. Tellement je le ressens. Tellement je le ressens qu'il va se passer quelque chose. Parce que je ne comprends pas. Quand je devais commencer le jour, en plein 10 heures, on déplace ça à 17 heures. Bonsoir, Jeanne Juste. C'est à nous d'imposer cette démocratie. C'est à nous d'imposer. Mais bébé Teams, même tu parles comme ça, même les gens qui vont arriver à 10 heures vont être obligés d'aller là-bas attendre. Tu penses qu'ils vont faire comment? Tu penses qu'ils vont faire comment? Ils vont être obligés d'aller là-bas attendre dans la cour. À l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'organise de voir comment on peut les envoyer, les bouteilles, les petites bouteilles d'eau, le casse-croûte, tout ça, parce que ça va quand même être pénible pour eux.
Ça va être pénible, ça va être une journée difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les périodes de tennis, les bouteilles d'eau, casse-croûte, des choses comme ça? Parce que ça va être pénible. Il y a des gens qui vont voyager, qui vont arriver là et qui vont attendre. Parce que les gens partaient directement pour arriver et aller directement au palais des congrès. Donc les gens vont être obligés de poireauter là comme ça toute la journée, poireauter, poireauter, pour attendre 17 heures. Comment est-ce qu'on peut faire pour les soutenir, pour les permettre de tenir? Parce qu'il ne faut pas qu'ils se découragent. C'est important cette convention. C'est pas possible ça. Donc je disais, on n'est pas. Comment dirais-je? On a des mésententes, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on veut tous le changement. Donc, et quand on veut tous le changement, il faut qu'on ait quand même la capacité. Il faut qu'on ait la capacité. De faire la part des choses. Voilà. Malheureusement, on est dans un pays où les gens ils sont sans foi ni loi et ils ne lésinent pas quand il faut doser, ils ne lésinent pas dessus. Donc, décourager, démobiliser, c'est leur spécialité. Ça, on peut pas, il n'y a pas leur égal sur ça. Ils sont les meilleurs en la matière. Donc, c'est à nous de maintenir, c'est à nous de voir comment envoyer des petits packs d'eau, comment voilà. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Non, mais de toute façon, Russe Noir, ceux qui sont. Personne ne va se décourager. Hein. Les délégations sont en train de s'organiser pour monter. Ils ne peuvent pas. Les délégations sont en train de s'organiser pour monter. Hein. Je n'ai pas encore, depuis là que ça, le communiqué est même sorti, je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire que finalement je ne monte plus. Hein. Les délégations sont en train de s'organiser pour monter. Mais maintenant, c'est juste la permettre de tenir. C'est ça, Fantomas Tarzan. C'est ça que tu sais. Je te jure que depuis ce matin, je me dis comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on aille leur livrer de l'eau, des sandwichs, tout ça? Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut s'organiser? Parce que c'est très important de mettre cela en place. C'est très important. Ouais, les gens avaient les brûlures. Que la soirée qualitative fasse quoi? Vraiment, laisse le sujet là comme ça. Et pas vous perturber avec les sujets là. Que la soirée qualitative fasse quoi? Ouais, tu m'as fait rire, hein, pas l'intention. À trouver comme ça là tu dis qu'on a 5 000 euros facilement comme ça. Ils ont eu du mal à rassembler de l'argent là. Tu dis qu'ils vont sortir 5 000 euros, c'est ça comme ça facilement. Non. Non, papa. C'est l'argent des prisonniers, vraiment. Ne fais pas encore, nous sommes un autre schéma. Vraiment, l'autre schéma là, on n'a pas encore digéré. Donc, bêta, on se seulement ça avec la loupe pour voir comment ça va arriver entre les mains des prisonniers. On n'a pas encore sorti la chance sur ça. C'est comme ça que la zone qualitative que j'ai parlé comme ça ce soir. Je ne peux pas ne pas en parler parce que je suis tellement touché par l'affaire de la convention, vraiment. C'est la soirée qualitative qui m'a mis. C'est pour ça que je faisais le live ce soir. Mais j'ai levé le pied parce que j'ai vraiment eu les boules. La soirée qualitative, là, c'est la magie. C'est à moi que tu viens demander. C'est à moi que tu viens demander. Pardon, il faut me déposer. Il faut me déposer. Nous tous, on attend. Donc, il faut qu'on s'organise différemment. Et bijoux quand même. Tu as vu quel bandit ici à Paris? Il ne faut pas mélanger tout le monde. Hein. Je te rappelle que dans l'organisation, il y avait des gens qui venaient de partout. Hein. Ce n'est pas seulement à Paris. Hein.
Elle venait de partout. Oh. C'est dur, hein? Vous devez mettre compter l'argent dans les poches des gens, dis donc. Vous devez compter l'argent dans les poches des gens. Laissez l'argent de la soirée caritative tranquille. Vous devez trop compter l'argent dans les poches des gens. Ah. Oh. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Ah, là, 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 là. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ma soeur, j'ai dit que il y a les gens, en fait, je pense tout simplement que la vie nous enseigne et la vie va toujours nous enseigner. Chaque acte que nous posons, c'est ça, Clou, il faut qu'on réfléchisse vraiment parce que le truc, c'est samedi. Je disais que chaque acte que nous posons a des répercussions. La vie nous enseigne. On a vu une soirée caritative qui a suscité beaucoup de remous. Les gens se sont levés pour faire quelque chose de bien. On a trouvé que moi, j'ai trouvé que l'idée était très bonne, très bien même d'ailleurs. Et au final, ça s'est mal terminé. Ça s'est très mal terminé. C'est triste à dire, mais les organisateurs de cette soirée doivent savoir qu'ils ont été écorchés. Leur image est écorchée. Peu importe ce qu'ils vont nous raconter aujourd'hui, peu importe ce qu'ils vont dire, leur image a été écorchée. Et ils ont jeté le doute et le discrédit sur la diaspora. Je me rappelle encore quelques temps quand j'ai commencé à dire qu'on voulait le bilan. Je me suis bien fait recadrer. Je me suis bien fait lyncher par beaucoup de personnes qui disaient, mais VDK, pourquoi tu fais ça? Vraiment, allez parler ça inbox. J'ai dit, non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Il y a des choses, on peut pas faire quelque chose, on donne le tout dans un mois et tout et tout et tout. C'est pas bon. Ça laisse le temps à la suspicion, ça laisse le temps à beaucoup de choses, ça laisse le doute, ça laisse beaucoup de choses s'installer. Donc, et quand j'ai dit cela, les gens ont dit non, vraiment, VDK. J'ai dit non. On peut pas dire que vous voulez le changement. Et quand on vous demande la transparence, on vous demande de rendre compte, ça, vous commencez à vous énerver. Au final, regardez, au final, vous voyez bien que il y a quand même quelque chose, il y a quand même eu des zones d'ombre, il y a quand même eu des choses qui n'étaient pas claires, il y a quand même eu des choses louches. Je suis aujourd'hui choqué que les gens qui, au départ, ont commencé ensemble et qui marchaient main dans la main, qui se congratulaient, qui faisaient tout ensemble, qui étaient dans des restaurants pour manger ensemble, qui vendaient les billets ensemble, à la fin, vous voyez que les bilans, chacun, un bilan est sorti à gauche, un bilan est sorti à droite. Ça montre effectivement qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et même si aujourd'hui, on a deux bilans, on a un bilan à gauche, un bilan à droite. Ça montre qu'il y a quand même eu quelque chose qui n'allait pas. Ça montre qu'il y a quand même eu un flou quelque part. Donc on ne peut pas dire. Oh, ça montre qu'il y a eu un flou quelque part. Et je vais parler de cette soirée qualitative après la convention. Je vais vraiment faire mon live pour parler de ça après la convention et je vais tirer à balles réelles. C'est-à-dire, je m'en fous de savoir si je vais heurter la sensibilité d'un X ou bien d'un Y. Quand tu te lèves pour dire la vérité, il faut que tu aies la capacité de dire la vérité et de rester dans ta vérité. Donc, moi, l'histoire de la convention, si qu'on est venu encore dire que les gens vont manger, les gens vont commencer à dire que ça m'a démoralisé. Donc, mon live pour parler de cette soirée qualitative va être faite après la convention et je vais dire ce que j'ai à dire. Parce qu'à un moment donné,
Oui, j'ai fait mon live après la convention. Ça, vraiment, je sais. Mais mon premier truc du matin, j'ai mis le projet, c'était marqué dessus. Mais quand j'ai encore vu le communiqué, j'ai vu que mon deuxième truc, les titres, c'est pas figuré. Je vais parler de ça après la convention. Parce que ça doit, on ne peut pas fonctionner comme ça. Les gens vont savoir que si on nous a mis la pression ici sur Facebook pour 1000 francs, pour 2000, jusqu'à nous traiter de voleuses, nous traiter de ceci, c'est pas pour des costauds sommes comme ça qu'on va s'amuser. C'est pas pour des costauds sommes comme ça qu'on va s'amuser. Il y a quand même des schémas et des scénarios qui parfois qui poussent à réfléchir et à se poser des questions quand les choses ne vont pas. Il faut qu'on ait la capacité de dire les choses comme il se doit, sans ne pas connaître les gens au sens du poil. Pour l'instant, concentrons-nous sur la convention. Que cette convention-là puisse bien se passer, malgré les difficultés. Concentrons-nous comment faire pour les acheminer, les packs d'eau, les petites bouteilles d'eau, les casse-croûtes. Comment on fait? C'est ça qui est important. Parce que maintenant, là, ce n'est même plus l'heure de dire que l'épargne, là, c'est fini avec la fête. On reste. Comment on fait pour permettre aux gens de passer toute une journée comme ça, vous savez, c'est très compliqué. Il faut qu'on trouve des il faut qu'on fasse des mains levées, il faut qu'on essaie de voir comment faire. Vraiment, c'est très important. C'est très important. Donc, pour l'instant, concentrons-nous dessus. La convention, c'est samedi. Après samedi, là, c'est fini, on va passer à autre chose. Et je vais revenir ici sur ce même Facebook pour parler de la fête de la soirée caritative. Tant pis si les gens vont se sentir touchés. Tant pis. Mais moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses que je veux savoir. Pourquoi on a donné 2300 euros à Def Mokoy? Si c'est parce que c'est un membre de la famille, c'est parce que c'est un ami, c'est parce que c'est la reconnaissance, je veux comprendre. Je veux comprendre tout ça. Il faut qu'on m'explique point par point. Il faut qu'on m'explique. Il faut que je comprenne pourquoi. Et ça, c'est important. Il faut que je comprenne pourquoi les gens qui vendaient les billets à la soirée, j'ai un ami qui a acheté 4 billets et on nous dit que les billets qui vendaient à la porte, l'argent est monté, c'est descendu. Il faut qu'on nous explique comment 147 billets avaient disparu et qu'on a finalement récupéré les 147 billets. Il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. Mais, clairement, tu penses qu'à l'heure-ci, quelqu'un a encore peur qu'on l'appelle infiltré. Donc, tu penses qu'à l'heure, si je te dis là que c'est mal les pauvres petits postes que j'ai fait, on m'a dit que je suis un danger pour la révolution. Donc, tu penses que. Tu penses que c'est me traiter d'infiltré qui va être un problème pour moi? Ah non. Ah non. J'ai dit, je répète que j'aime garder ma liberté. Et si tu me regardes bien depuis que je suis dans cette révolution, tu vas bien voir qu'il y a quelque chose que je tiens. C'est ma liberté d'expression parce que j'ai trop souffert, même pour faire des lives sur Facebook, comme vous voyez là. J'ai dû me bagarrer dans mon foyer pour pouvoir m'exprimer devant vous. Donc, s'il y a quelque chose que je tiens, c'est ma liberté. C'est-à-dire, c'est très important. Et si tu laisses quelqu'un te prendre ta liberté, ça veut dire que tu es foutu. Et c'est pour cela que même quand je disais que je ne comprends pas pourquoi quelqu'un, je peux être dans un groupe et on me dit ce que je dois dire, comment je dois faire. Non, c'est très important. On ne peut pas être là. Et voir des choses qui ne sont pas claires et on fait comme si on va caresser. Je te dis que attends, la convention c'est fini. Oui, on a retrouvé les autres biais. Non. Les gens ont compris. Le bien, chacun son association, on est subventionné. Moi, même si je vais comme ça ouvrir mon association depuis, il y a des subventions, on est l'association, chacun. Les gens ont laissé le combat même pour aller ouvrir que l'association, parce que quand tu as ton association, tu fais ceci, tu fais cela. J'ai vu les gens se battre pour des gens qui sont en Ukraine. Mais je me suis dit que on est dans nous-mêmes, on ne nous laisse pas. On te dit que les gens sont. Voilà. Donc, vraiment, attendons que la convention passe. Samedi n'est pas loin. Samedi n'est pas loin. Moi j'ai fait les nuits blanches ici à cause de la fête des balas. On parle de voir les gens porter les millions comme ça et on fait comme si on ne voit rien parce qu'on dit que non, il faut qu'on couvre quoi. On y a des choses qu'on ne peut pas couvrir. De la même façon qu'on nous a demandé de rendre compte pour tel argent, on a aussi le droit de demander aux gens de rendre compte. C'est très important. C'est très important. Moi, il y a des choses que je ne comprends toujours pas. Sur quels critères? Quelqu'un même, quand il a même fait son petit spectacle, on n'a même pas applaudi. Les gens n'étaient même pas debout. Sur quels critères? C'était quoi les critères pour nous sortir autant d'argent? Non, dis donc. Vraiment, la team.
si c'est possible, on va seulement revenir demain pour terminer ce qu'on a commencé là et voir comment trouver des solutions pour voir comment aider les gens au pays par rapport moi, j'attends seulement que le live finisse, que la convention se termine, que ça se passe bien, que ça se termine. Et puis, on va pouvoir maintenant parler, se parler en vrai. Disons-nous les vérités. On va pouvoir se dire les vérités parce que c'est important. On a le droit de savoir, on a le droit de demander des comptes. C'est important. Voilà. Bonsoir, M. Samniki. Bonsoir, ma belle. Bonsoir. Et encore merci. Hein. Merci pour ta généreuse donation de l'autre jour. Vraiment, grâce à toi, on a pu compléter l'argent et acheter les 36 pains de la prison de Konengi. Et je tiens à vous dire que, vraiment, là, l'autre enjeu, c'est qu'on a déplacé les horaires de la convention qui devait commencer à 10h. Donc, on a déplacé ça à 17h. Donc, on a beaucoup de personnes qui vont venir de partout, de l'ouest, de l'extrême nord, du nord, de l'est, de partout, de Douala. Voilà, ils vont venir de partout. Ils vont se retrouver comme ça à Yaoundé, sans avoir de casse-croûte, sans avoir même une bouteille d'eau. Donc, maintenant, coucou, Aline, coucou, ma belle. Donc, maintenant, on va se retrouver comme ça, là, avec des gens qui n'auront même pas de quoi se désattirer, un petit casse-croûte. Il faut maintenant qu'on s'organise. Donc, moi, je vous invite si même c'est 10 euros, 20 euros, qu'on essaie de voir comment on peut. Comment on peut faire en sorte qu'ils aient un petit casse-croûte, une petite bouteille d'eau. Vraiment, réfléchissons comment faire. Même si on met 10 euros, on met 20 euros, vraiment, n'hésitez pas à me contacter Inbox. Comme ça, on essaie de voir comment on peut s'organiser. Pour même si on a même 100, 200, 300, 400 bouteilles d'eau, petites bouteilles d'eau, on envoie seulement. Voilà, il y a des commerçants, on peut rester ici, on passe la commande une fois dans une boutique, on passe seulement livrer. Voilà, on passe déposer ça là-bas, eux, ils se débrouillent avec, à se partager. Voilà, vraiment qu'on essaie de voir si on peut même avoir une personne qui peut nous faire 200 pains, 300 pains chargés. On s'organise parce qu'il faut que les gars, il faut qu'ils tiennent. Il faut que cette convention ait lieu. Voilà. Il y a des mauvais esprits ici dehors. Et là, bien avant, laisse comme ça, baisse le volume. Attends, la convention termine, pardon. Laisse comme ça. Pardon, laisse comme ça. Laisse comme ça, s'il te plaît. Donc, vraiment, je vous laisse. Merci beaucoup. Merci pour les partages. Merci d'avoir été là. Merci pour cet échange. Comme je disais, vraiment, malgré tout, malgré tous nos problèmes, restons derrière l'opposition camerounaise. C'est-à-dire que ça, vraiment, restons derrière ces opposants, ces véritables opposants qui peuvent nous amener vers le chemin du changement. Voilà. Donc, merci à tous. Merci pour les interréactions. Merci pour les partages. Et à demain, si possible, si je peux, je reviendrai parce qu'il faut vraiment qu'on essaie de mobiliser, de tenir la main de tous ces AP et sympathisants du MS pour que cette convention puisse ouais. Oui, mais est-ce que l'on va voir avec Annie? Il faut donner l'argent, non? Ainsi, Cynthia. Donc, on va faire des beignets sans donner l'argent. Il faut donner l'argent. Moi, je pense d'abord à l'eau. Ah, papa. Donc, toi aussi. Comme j'ai le sang du maquero, c'est là pour te donner une petite aperçu. Quand on m'a contacté, on a informé tout le monde qu'il devait avoir cette soirée. On a contacté tout le monde. Je pense qu'on a contacté tout le monde, tous les combattants. On nous a tous contactés. On nous a tous informés qu'il devait avoir cette soirée. Moi, j'ai été contacté. Après, quand j'ai vu que ça a encore mis du temps, on a encore voulu me contacter après un de mes lives que j'ai fait pour me dire que est-ce qu'on t'ajoute dans la commission? J'ai dit non. Parce que j'ai horreur d'être dans un sous-groupe. C'est quelque chose qui m'énerve dans ce combat, c'est qu'il y a un groupe, on est dans un petit groupe en bas, où on a que de manger, où on a que de manger mon cerveau. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de colère dehors, parce qu'ils se sont rendus compte qu'on s'est servi d'eux. Ils se sont rendus compte qu'on les a manipulés. C'est ça. Et moi, j'avais déjà dit,